Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans la troisième mi-temps du Middle. Comme depuis le début de ce tournoi 2022, on va faire l'émission dans les locaux de Midi Olympique et de Rugby Rama avec le sourire. Parce que oui, les Bleus l'ont fait, ils ont encore une fois fait tomber le Principality Stadium. Victoire 13-9 des Bleus qui signent leur quatrième victoire et qui auront la victoire que l'on attendait tous, que vous attendez tous, vous auditeurs, face à l'Angleterre samedi prochain au Stade de France. Avec moi ce soir, Jérémy Fada, il a déjà fait l'émission, vous le connaissez. Salut Jérémy. Salut Vincent. Et il sera chargé de récolter toutes vos questions. On voit que vous êtes déjà très nombreux, sur le chat. Salut Max. Salut, salut. Du coup, messieurs, victoire des Bleus 13-9 face à des Gallois qu'on a peut-être un peu sous-côté avant le début de cette rencontre. On y reviendra pendant l'émission. Ils nous ont fait peur, ces Bleus, Jérémy, mais au final, ils s'imposent et ils auront, comme j'ai déjà dit, leur finale, la finale que l'on attendait tous face aux Anglais la semaine prochaine au Stade de France. Ouais, alors sincèrement, on aurait signé dès demain déjà pour une victoire, quelle qu'elle soit. Je vous avoue qu'on a fait de l'huile jusqu'au bout, autant qu'on était. Après, voilà, le rêve, c'était d'aller jouer ce match absolument décisif contre les Anglais, contre nos meilleurs ennemis. Franchement, c'est une finale de rêve avec un Stade de France qui est bouillant depuis quelques mois, depuis ce fameux match contre les All Blacks. On peut s'attendre à un Stade de France en fusion le week-end prochain. Alors oui, on a tremblé, mais imaginez, on est à deux doigts de réaliser le Grand Chelem, ce qu'on n'a pas fait depuis une éternité, je vous le rappelle. Du coup, voilà, n'hésitez pas, je le dis à chaque fois, mais n'hésitez pas à poser toutes vos questions dans le chat. Max est là pour ça. On essaiera d'y répondre le plus possible. Je vais continuer avec toi, Jérémy. Et Max, tu peux intervenir, bien sûr. C'est gentil. Mais Jérémy, quatrième victoire dans le tournoi. Victoire étriquée, mais victoire. Maintenant, il n'y a plus débat. Il faut parler Grand Chelem. On attend ça depuis 2010. On ne va plus pouvoir se cacher pendant 7 jours. Et d'un côté, nous, journalistes, ça fait quelques semaines qu'on en parle. Mais là, les joueurs et staff vont devoir aussi évoquer ces deux mots si importants. Bah, c'est ce que j'allais te dire. Nous, ça fait un petit moment quand même qu'on en parle. Ça fait un petit moment qu'on leur pose la question, qu'on a toujours la même réponse. Et voilà, ne pas mettre la charrue dans les bœufs. Enfin, vous connaissez le match après match. On en parlera plus tard, machin. Je vous rappelle juste qu'en novembre, c'était la même chose. Hein, avant la Géorgie, avant l'Argentine, on n'avait pas le droit de parler des Blacks. Et puis, une fois qu'on a battu les Géorgies le deuxième match, ils nous disaient tous « Ah, mais ce match des Blacks, on l'a depuis des semaines dans la tête ». Évidemment que ce Grand Chelem, ils l'ont depuis des semaines dans la tête. Pourquoi ? Parce qu'ils gagnent. Alors déjà, ils gagnent, donc ils sont en mesure de le faire. Et parce qu'ils savent qu'ils ont le potentiel pour le faire, pour aller au bout. Voilà, on le répète dans cette émission depuis des semaines et des semaines. On a quand même une génération de dingues, on a des talents de fous. Alors, on les a moins vus à l'œuvre ce soir, c'est vrai. Mais c'est une génération qui, même lorsqu'elle est moins forte, c'est gagné. Et c'est gagné moche. Et bien, les grandes équipes, ça. Il faut savoir gagner moche. Max, on voit que tu veux peut-être intervenir sur... Il y a peut-être des questions dans le chat. Non, le chat est à fond. Je regarde Jérém parce qu'on n'a jamais vu un chat autant à fond que ce soir. Mais eux aussi, ils sont en fusion. Ah ouais, complet. On se rappelle du France-Nouvelle-Zélande qui avait un peu lancé notre émission Twitch. J'ai l'impression de le revivre là. Le chat est vraiment à fond. Quoi. Et c'est avec grand plaisir. Donc voilà, n'hésitez pas à poser toutes vos questions. Justement, Jérémy, on a parlé Grand Chelem, on en parlera pendant 7 jours. On va peut-être revenir un peu sur ce match, ce gros duel face à des Gallois qui se sont accrochés, qui nous ont quand même inquiétés. Et aujourd'hui, ce n'est pas l'attaque des Français qui a fait la différence, c'est surtout la défense qui a marqué les esprits, notamment nous dans la rédaction. On ne va pas se mentir, à l'heure de jeu, on commençait vraiment à voir le traquenard, le piège se refermer sur nos Français. Et au final, on a vu des bouchons, on a vu des ballons grattés, notamment de Jonathan Danty. Et ça a tenu, ces 4 points, ils sont restés là. Et au final, c'est les 4 points de la victoire aussi qui arrivent à Paris. C'est les 4 points de la victoire, c'est les 4 points de la défense française, c'est peut-être même les 4 points de Sean Edwards. Ce soir, c'est clairement la défense française qui a fait gagner ce match. Je regardais un petit peu les stats là, avant de démarrer l'émission. Alors, elles vont être affinées, on sait qu'elles ne sont jamais tout à fait bonnes, mais on est à quasiment 180 plaquages sur le match. Et surtout, plus de 93% de réussite au plaquage, c'est hallucinant à ce niveau-là. On a plus de 6 joueurs, je crois qu'on a 6 joueurs à plus de 10 plaquages. Enfin, voilà, les hommes forts dans ce domaine, les François Cross, Grégory Aldrit, Ficou, Danty. Danty, ouais, 10 plaquages réussis, 0 raté. Ils nous font gagner le match. Mais Il y en a un qui m'a bluffé aussi dans les joueurs que tu dis, c'est Paul Willemse. C'est Willemse. On en reviendra après quand on parlera bien sûr à la deuxième partie des notes. Mais Paul Willemse, moi, m'a impressionné sur le terrain, notamment avec ses plaquages offensifs. Et on me dit, alors j'ai l'oreillette qui ne fonctionne pas, je vais être transparent ce soir, mais on me dit quand même qu'il y a une personne qui a dû être impressionnée aussi, c'est Vincent Bissonnet, qui était au stade, qui était dans les tribunes du Principality Stadium ce vendredi soir. Et il est en direct avec nous. Déjà, Vincent, est-ce que tu nous entends ? Lui, il en a mis des bouchons. Bonsoir à tous. Salut Vincent. Et voilà, le théâtre de l'exploit des Bleus, si on peut dire, de cette grande performance qui est en train de se vider. Voilà, vous pouvez voir, les tribunes sont vides derrière moi.
Là, ils sont en train de tondre la pelouse, nos pauvres amis gallois. Tu veux pas aller les aider, Vincent, avant d'aller à la conférence de presse? Un petit coup de tondeuse, non? Ça te chauffe pas? Donc, nos pauvres amis gallois qui auront attaqué pendant une heure pour, voilà, pour ne jamais franchir la ligne de défense française. Voilà, malgré pourtant un public qui a poussé très fort. Hein, il manquait 10 000 personnes dans les travées, mais on n'a pas eu ce sentiment. Hein, il manquait vraiment... Donc, il y a 10 000 personnes, mais il y avait cette flamme qu'on connaît des supporters gallois. Voilà, mais il fallait bien plus aujourd'hui pour renverser le 15 de France de Fabien Galthié. Et on a envie de dire de Sean Edwards, particulièrement ce soir, parce que c'est vrai que voilà, on a vu des Bleus très disciplinés, très solides en défense, bien organisés. Ouais. Justement, des Vincent. Bleus, voilà, qui savaient où ils voulaient aller. Qui voulaient forcer leur destin. Vincent, on parlait des plaquages offensifs des Bleus, notamment de Paul Willemse. Toi, des tribunes, on sait que les tribunes de presse au Principality Stadium sont très proches du terrain. Comment toi, tu l'as senti? Enfin, comment toi, vous avez ressenti les chocs, on va dire, vous en tant que journaliste, proche du terrain? Ah, ce qui nous a marqué, c'est la capacité que les Bleus ont eue à gagner les impacts. C'est-à-dire, même si voilà, les Gallois ont eu... J'ai plus les stats des possessions en tête, mais je crois au moins 60% du ballon. Ce qui nous a marqué, c'est ça, voilà. C'est que la ligne d'avantage, c'est les Bleus qui l'a gagné. Et c'est vrai que là, à ce niveau-là, Paul VMC a un impact déterminant. J'ai envie de dire encore plus Jonathan Danty, qui a été assez épatant, on va le dire. Voilà, il avait des vis-à-vis quand même assez costauds, assez denses physiquement. Et il a su presque à chaque fois, voilà, repousser les assauts, mais on a des exemples, on en a plein. On a Gabin Villière qui repousse Toby Faletao. On a, voilà, c'est tout ça aujourd'hui qui a fait que l'équipe de France a pu tenir ce succès qui aurait pu lui échapper à une autre époque. Je pense qu'on l'aurait pas emporté. Vincent, on va peut-être te laisser aller en conférence de presse. On rappelle aux auditeurs, voilà, qui nous écoutent déjà, qui sont sur le chat, que Vincent reviendra après avec toutes les informations de la conférence de presse, notamment logiquement avec Fabien Galthié et Antoine Dupont, le capitaine tricolore. Vincent, on va te laisser aller en conférence de presse. Merci d'être passé si vite juste après le match. Ouais. Et on te retrouve avec plaisir après dans quelques minutes. Voilà. Bonne conférence de presse à toi. À toutes. Du coup, on en parlait, Jérémy. Vincent le dit, c'est peut-être le mieux pour l'expliquer. Les Français ont gagné les collisions. On parlait de Paul Willemse, mais ça a été impressionnant, quoi. Les Gallois, je pense qu'ils vont avoir mal aux côtes ce soir au moment de s'endormir. Tout à l'heure, tu as parlé de plaquage offensif. Le mot le plus important, c'est offensif. Ouais. Réaliser plein de plaquages, c'est bien. Hein. Je veux dire, quand on n'a pas le ballon, de toute façon, il faut au moins être courageux. Par contre, la capacité qu'ont les Français et qu'a Paul Willemse, tu l'as cité en exemple, à gagner ces duels, c'est-à-dire à faire reculer en permanence l'adversaire, c'est ça qui nous a mis dans le bon tempo. Parce que ce soir, offensivement, alors à part ces 20 premières minutes où on a mis 2-3 lancements vraiment magnifiques, mais après, on a eu du mal à se trouver, on a tombé des ballons, on n'a plus forcément d'opportunités magistrales. Mais par contre, on s'est reposé sur ce socle-là avec deux hommes forts, voilà, qui ont été cités, Paul Willemse devant et Jonathan Danty derrière. Et Max a quelque chose à dire. Parce qu'on a tous vu que les Gallois ne pouvaient jamais franchir cette défense ce soir. Bah, ils l'ont fait une fois et du coup Jonathan Davis a envoyé le ballon dans les mains de Dupont. Il a peut-être eu peur d'Antoine Dupont. Non, mais c'est aussi le paradoxe de ce match, c'est parce qu'à l'heure de jeu, je disais, on était inquiets, mais on n'a jamais vu les Gallois aller si une fois sur un mol au final qui a été enterré avec notamment l'excellent travail de Gabin Villière qu'on a peu vu en attaque mais qui a été important en défense comme à son habitude. Mais c'est vrai que les Gallois, personnellement, ils ne m'ont jamais inquiété ballon en main. Et alors ça a fait lever notamment une personne dans la rédaction, Jérôme Prévost. Ils avaient entre guillemets que le pied pour avancer, ces gars-là. On est retombé quelques années en arrière. C'est ce que j'allais dire. Oui, quel pied. Aujourd'hui, celui qui laisse les Gallois dans le match et qui fait une partition magistrale, c'est Dan Bigard, un pied droit incroyable. Il a fait ce qu'il a voulu là-dessus. Mais à un moment, c'était peut-être un aveu de faiblesse. Oui. Mais il n'empêche, c'était la seule arme qu'ils avaient, c'était normal qu'ils en usent et qu'ils en abusent même par moment, et ça aurait pu passer, mais c'est jamais passé. Alors, ouais, je vous rejoins pas trop parce que moi on me dit, ouais, c'est un aveu de faiblesse, c'est peut-être un aveu de faiblesse, mais quand moi je vois les Gallois qui, à la 20e minute de jeu, intègrent, on va dire, pour la première fois de la rencontre, les 22 mètres français et qui me font une chandelle. Ouais, mais parce qu'ils savent que c'est leur seule solution. Ils le savaient, inférieur. Ils le savent. Mais les collisions, ils les perdent d'entrée. Ils savent qu'il faut trouver. Mais ça, c'est pas loin de marcher. Ils savaient qu'ils étaient supérieurs aussi dans les airs, et ils ont quand même gagné pas mal de duels aériens ce soir. Oui. Et c'est ce qui les a fait avancer. Ils n'ont pas avancé à l'impact. Il fallait qu'ils avancent d'une manière ou d'une autre. Ils ont avancé au pied. Mais ça n'a pas suffi. Là, je te rejoins. Et paradoxalement, même si les Gallois ont eu beaucoup le ballon,
je nous ai jamais sentis très en danger. Non, mais c'est ça. Sincèrement. Hein. N'hésitez pas à le dire dans le chat pour voir si vous me donnez raison. J'espère que vous me donnerez raison sur ce jeu au pied des Gallois. Alors, moi, je suis peut-être de la jeune école, entre guillemets, par mon jeune âge. Hein, c'est pas méchant contre vous, messieurs. Ils nous attaquent comme ça gratuitement. Mais, plaquage à la carotide. C'est vrai que ces Gallois, j'ai l'impression, t'es à domicile, tu reçois sûrement, et c'est vrai, vu les résultats, la meilleure équipe du tournoi cette année. T'as une occasion d'aller 22 mètres où il n'y a que 7 à 10 à 3 à ce moment où on. Ben, tu fais pas une chanelle, ouais, ça a failli marcher, ouais. Vous allez me dire. J'ai quand même. Oui, mais si c'est au bout, tout le monde dit bravo. Et on destranche voilà, tout le monde, on destranche tout le monde. Les mecs arrivent, on les destranche à chaque fois. Alors non, leur seule solution, c'était ça. Hein, moi je te le dis, leur seule solution, c'était ça. Non, mais je sais, mais bon, moi j'ai été un peu. Alors, ça m'a un peu. Pas frustré, vous le voyez, un peu énervé, parce que oui, ça a fonctionné, je suis d'accord. On t'a mis en deuxième mi-temps. Romain Tamac a fait un en avant. Bon, je ne dirais pas. Il y a eu un avant. Grégory Aldrit aussi a tombé des ballons. Forcément, ça a marché pour les Gallois, mais au final, tu ressors de ce match. Moi, je me mets, on va dire, Jérémy, t'es supporter oui, mais gallois. Mais toi, c'est parce que t'es castré et que tu vois que des relances dans l'embut à Pierre-Antoine. Ouais, mais ça, c'est vrai. Déjà, c'est Pierre Favre. Attention, Jérémy. Ouais, mais moi, je suis à l'ancienne. Tu l'as dit toi-même. Non, mais tu reçois, t'es supporter gallois. Tu ressors de ce match, tu penses quoi? Tu te dis, qu'est-ce qu'on a fait? On n'a pas tout fait pour gagner. Moi, je suis supporter gallois. Je me dis que j'ai perdu contre meilleur. Ah, là, mais, je suis pas d'accord. Moi. Non, mais voilà. Mais si, alors, mais les mecs. Messieurs, encore une fois, je suis désolé, on part dans des débats avec passion. Ah. Mais on a vu 23 joueurs français qui ont gagné en 2022 au Principality Stadium. Et on a un joueur qui a gagné, lui, en 2010 au Principality Stadium. Et il a goûté à l'embut en plus de Cardiff. C'est Alexis Palisson. Salut Alexis, est-ce que tu m'entends? Moi, je vous entends très bien. Bonsoir à tous. Bonsoir Alexis. Salut. Alors on Alexis. T'entend pas trop, alors on va monter le son. Salut Alexis, je pense qu'il y a un ami à toi déjà. Salut Alex. Salut tout le monde, salut Jérémy. C'est voilà, Jérémy et Alexis sont côtoyés notamment. Entre brivistes. Voilà, entre brivistes. Alexis, on parlait, toi ancien, et toujours, ailier bien sûr, ailier et arrière au rugby. Toi, t'as dû être aussi impressionné par cette puissance et cette défense dégagée par les Français ce soir, où ils n'ont quasiment jamais été inquiétés par ces Gallois, on peut le dire. Bah, j'ai l'impression que les seuls inquiets, c'est nous, quoi, derrière nos écrans. Derrière... Et ils font preuve d'un sang-froid à toute épreuve. Quoi. Ils sont impressionnants. Franchement, moi, je me régale à les regarder. Et, bravo à eux, parce qu'ils dégagent vraiment. Même malgré tu vois, quelques errances d'arbitrage, tu vois, je pense à la faute de Moefana. Je la trouve inexistante, moi. Et ouais. On sent que ça glisse sur eux. Quoi. Enfin, ils râlent pas, ils sont dans leur truc, ils font ce qu'ils ont à faire. Même s'ils font des petites erreurs, je me rappelle d'Aldrit là, qui fait tomber un petit ballon. Ça lui glisse dessus, il repart, il ravance. Ouais, il garde pas d'énergie. Ouais, l'action d'après, quoi. C'est... Justement, toi, Alexis, en tant qu'ancien international, c'est ce qui te bluffe dans cette équipe, on le dit depuis le début du tournoi, et bien sûr depuis 2 ans, il est arrivé et l'ère Fabien Galthié. Cette tranquillité, cette sérénité, malgré cette jeune équipe quand même française, on doit le dire, alors ils prennent de l'âge. Mais c'est cette sérénité de jamais être inquiété par les aléas, on va dire, des matchs. Ouais, ça c'est vraiment impressionnant. Et puis ce qu'ils font sur le terrain, quoi. Enfin, dès qu'ils jouent, je rate pas une minute parce que c'est un régal, quoi. Et puis il faut pas rater une minute parce que ça part vite souvent. Donc, Et du coup, toi, ce soir, on va imaginer qu'ils vont faire une belle fête, même s'il y a cette finale contre l'Angleterre. Toi qui as gagné en 2010 à Cardiff face au Pays de Galles, qu'est-ce qu'ils ressentent ? Qu'est-ce que toi t'as ressenti en 2010 quand vous êtes imposé face au Pays de Galles de Shane Williams notamment ? Qu'est-ce qu'ils vont ressentir ? Dans ce stade incroyable. Ouais, dans ce stade incroyable, bien sûr. Ouais, le stade, franchement, pour reparler du stade un petit peu, je pense que c'est le plus beau stade dans lequel j'ai joué. Avec eux, ils ont peut-être pas ressenti l'ambiance qu'il peut y avoir avec le toit fermé. Mais le toit fermé, c'est incroyable. Quand tu es dans un chaudron, tu n'entends rien. Tu es obligé d'avancer à 1 mètre pour parler, gueuler dans l'oreille de ton collègue parce que tu n'entends pas les combines, tu n'entends rien. Quoi. Et, je ne sais pas si vous avez vu le show là, de feu là, ouais. Au début du match. C'est impressionnant. Il fait froid et ça te réchauffe d'un coup. Enfin, ça, plus les chants, plus le brouhaha, c'est impressionnant. Ouais, justement, avant le match, beaucoup de joueurs, notamment Johan Hugier la semaine dernière, nous parlaient de cet avant-match des Gallois. Là aussi, toi qui l'as vécu, cette génération, elle aussi, tu penses qu'elle n'a rien ressenti? Ça, elle le connaît, elle avait déjà gagné, de nombreux joueurs avaient déjà gagné il y a 2 ans au Pays de Galles. Ça ne les atteint pas. C'est quelque chose, c'est des aléas qui ne les touchent pas. Ouais, le fait de. On avait bien patienté, nous aussi, en 2010 sur la pelouse. On les avait attendus un moment. Mais non, au contraire, c'est. Enfin, moi, c'est des. Je pense que pour tous les mecs, hein, c'est un truc qui te motive encore plus.
Jérémy, pose une question. Alex, en 2010, tu y avais gagné et derrière, vous aviez été le remporter ce tournoi. Qu'est-ce que ça représente de faire un grand chelem, de remporter cette compétition qu'on n'a plus remportée depuis du coup une éternité? Et est-ce que c'est... est-ce que ça te fait perdre de l'énergie en cours de tournoi d'y penser de plus en plus que ça s'approche, la victoire, le grand chelem? Comment toi, tu l'avais géré ça à l'époque? Le fait que ça soit exceptionnel, tu le ressens plutôt après, quoi. Parce que moi, comme tu l'as dit, j'étais jeune joueur et voilà, tout ce qui m'est arrivé de 2008 à 2010, c'était mieux que dans un rêve, parce que moi, quand j'étais jeune joueur, je voulais être un bon joueur de club. Je rêvais même pas à l'équipe de France. Donc, si tu veux, j'ai vécu un rêve éveillé. Et c'est là, justement, depuis 2010, où tu te dis, on avait fait un truc de fou, en fait. Et pour rebondir donc sur la question de comment tu gères, la réponse bateau, tu prends les matchs les uns après les autres et tu veux tout gagner, quoi. Tu veux les gagner, tu veux les battre. En plus, là, le dernier match est face aux Anglais. Voilà, t'as qu'une envie, c'est de les gagner. Dans le chat, Alexis, on nous parle, et toi tu dois connaître ce rôle-là, du match des ailiers de ce soir. Ça doit pas être un sacré cadeau de devoir défendre quasiment pendant tout le match. Par exemple, pour Moefana, deuxième titularisation à l'aile. Qu'est-ce que t'en penses, toi, de leur performance et d'un scénario comme ça pour les joueurs à ce poste-là? Moi, je suis hyper content déjà qu'on revienne à des profils comme Gavin Villière. Enfin, c'est super pour notre sport, c'est super pour tous les jeunes joueurs qui n'ont pas forcément un gabarit exceptionnel. C'est des mecs qui donnent tout, ils s'envoient comme des chiens, ils ont une activité de fou. Enfin, franchement, c'est moi, je suis premier supporter, je les batte, quoi. Alexis, on va peut-être te donner une dernière question. Ouais, juste Alex, connaissant quand même, pour t'avoir suivi longtemps, connaissant ton goût pour la relance, cette première relance de Jaminet là, qui amène l'essai derrière, en plus Jaminet qui sortait d'un match moyen, je suppose que ça a dû te plaire de voir ce garçon prendre ses responsabilités, aller chercher cet intervalle, quoi. Comme je te l'ai dit tout à l'heure, c'est un régal à les voir jouer. Et puis ils sont toujours dès qu'ils sont dans l'avancée, ils sont toujours dans le geste juste. Enfin, ils vont attaquer l'intervalle qu'il faut. Ils sont impressionnants de maîtrise, vraiment. Même si ce soir, on a vu peut-être quelques petits défauts, notamment, je pense que ça avait été travaillé par les Gallois sur le jeu au pied de pression. Ouais. On voit que la France l'a travaillé en défense sur cette première pénalité où ils essayent de faire une espèce de mur pour protéger le sauteur. Quelques petites errances des fois, des petits en avant, mais ça leur glisse dessus, donc je suis vraiment pas inquiet pour Alexis, je suis obligé de te poser la question, ce sera la dernière pour toi. Là, tu crois au grand chelem? Ils vont le faire, le grand chelem, les Français, 12 ans après vous, en 2010. Ils vont le faire, là. Ils peuvent pas s'incliner contre l'Angleterre au Stade de France. On peut pas y croire. En jouant comme ça, je vois pas comment les Anglais peuvent nous inquiéter. Après, ça reste... Et je vois pas comment la pression pourrait avoir effet sur eux. Donc, tous les voyants sont au vert. Justement, ce serait une belle anecdote, puisque en 2010, on rappelle que les Français avaient fait le grand chelem au Stade de France, un samedi soir à 21h, face à l'Angleterre. Victoire 12-10. Ouais. On souhaite bien sûr le même sort à cette génération. Voilà, il n'y a pas de hasard. Merci Alexis, on te remercie énormément aux Midi Olympiques d'être passé dans cette émission. Et on te souhaite une bonne soirée et surtout soirée, un beau bon samedi soir prochain quand même, en espérant que cette génération vous succède. Je serai au Stade de France avec tous mes potes qui m'avaient soutenu il y a 12 ans. Donc, Alexis, j'en ai deux. Là, tu vois, moi, j'ai pas cette chance. J'y serai aussi, Alex, on pourra se boire une bière. Il y en a deux sur ce plateau qui auront aussi la chance de voir les tribunes du Stade de France samedi prochain, et ce n'est pas moi, malheureusement. Désolé pour toi. Ouais, c'est pas grave. Allez, Alexis, bonne soirée à toi. On se retrouvera merci en troisième mi-temps, peut-être. Ouais, voilà. Merci à toi. Ciao, Alexis. Salut, bonne soirée à tous. Ciao, merci. Voilà, bon moment avec Alexis Palisson, Schlemar, du coup, en 2010, on l'a assez répété et on le répétera jamais de trop, voilà, que les Français ont fait le grand chemin en 2010. Pour revenir un peu au match, Alexis nous a un peu tendu la perche, tu veux intervenir? Je vais rebondir sur ce que dit Alex. Ouais, bien sûr, bien sûr. Je sais que t'as l'habitude de m'inviter dans ton émission, Vincent, et que je répète toujours la même chose, mais là où Alex, il a raison, c'est que nous, on se pose, je vous assure qu'on se pose beaucoup plus de questions qu'eux, ils n'en s'en posent. Mais vraiment, génération, quand il dit, ça leur glisse dessus. C'est incroyable, il n'y a rien qui les atteint. Je sais qu'à chaque fois que je viens ici, je répète la même chose, il n'y a rien qui les atteint. Un mec comme Jaminet, qui fait quand même un match en Écosse
Allez, attention, décevant. Pas pour parler des joueurs, on ne spoil pas non, trop la ouais, deuxième décevant. Partie. Il démarre le match par deux magnifiques relances. Enfin, à chaque fois qu'ils font une erreur, ils stressent pas, ça les entame pas. À la 70e, là, ils sont pas un peu stressés. Tu les as trouvés stressés, toi? Mais non, moi, je sais pas. On n'est pas sur le terrain, malheureusement, pour nous. Si c'était la blessure au genou nous a empêchés d'être ce vendredi soir. Mais justement, s'ils avaient stressé, ils se seraient écroulés, on n'aurait pas eu cette fin de match. Cette fin de match, elle est ultra maîtrisée. Voilà, passé cette blessure qui nous a empêchés d'être avec les Bleus ce vendredi soir sur le terrain, Jérémy, je peux pas. Alors, bien sûr que cette génération n'est pas. On a l'impression qu'elle n'est jamais inquiétée. On a aussi l'impression, et je pense que cette personne à gauche, notamment Max, va être d'accord avec moi, qu'il y a des petits détails qui, il y a 5 ans, tournaient en défaveur des Français, tournent aussi en faveur des Français. L'an avant de Jonathan Davis à 10 mètres de la ligne, je peux vous dire qu'il y a 5-6 ans, il va derrière un but de Jonathan Davis. Tous les 50-50, voilà. Pour nous. Rappelez-vous du rebond au Presse Plate Stadium qui trompe Jules Plisson et qui donne le ballon à Georges Lens. Ouais, mais c'est peut-être voilà. Une conséquence de ce qu'on disait. Je pense aussi qu'ils ont ils mettent une empreinte sur l'adversaire qui est différente d'il y a 5 ans. Vraiment, je pense qu'aujourd'hui, nos adversaires ont beaucoup plus peur de nous. Ils voient certainement dans les regards, dans les attitudes des Français, que les Français, il n'y a rien qui les atteint. Et je pense que ça, dans un match aujourd'hui qui est moins maîtrisé offensivement qu'à l'habitude où on n'a pas fait un festival, hein, mais c'est super important. Il faut savoir gagner aussi ce genre de match. Parce que justement, on va être un peu négatif, même s'il y a victoire, bien sûr, des Français, je le répète, voilà, pour ceux, je pense que vous avez regardé le match, mais victoire 13-9 des Français à Cardiff. Il y a ce moment à l'heure de jeu où moi j'ai quelques moments, la passe après contact qui n'a pas lieu d'être de Mohamed Awas en avant de Pat Mouaka. Le coup de pied, bon, c'est involontaire au final de Grégoire Aldrit, mais une pénalité bête dans le camp gallois. À ce moment-là, moi je vais parler pour moi, je me dis c'est le traquenard parfait et c'est la première fois dans ce tournoi où je voyais un peu les Français perdre les pédales, entre guillemets, je m'entends, mais ne devenir moins maîtrisés, faire des fautes bêtes et se pousser dans leur camp. Et se mettre, et on l'a vu, ne pas se mettre à l'abri d'une belle action galloise. Heureusement, il y a eu un avant. Être dans notre camp, on l'a quand même souvent connu. Je ne sais pas ce que vous en pensez. C'est la première fois, par contre, qu'on ne marque pas tout le temps à chaque fois qu'on va dans le camp adverse. Manque d'efficacité. Non, en général, on y va 30 secondes, on marque, on revient avec 3 points tout le temps. Mais sur ce que tu dis, les conséquences, ça a été quoi? Il y a une pénale touche pour les Gallois, on enterre le ballon. Il y a une action, ils sont dans nos 22, interception de Ntamack. À l'arrivée, on a su maîtriser ces fameux momentum, ce qu'on appelle, c'est le mot à la mode dans le rugby, mais ces fameux temps faibles, voilà, on a su quand même les gérer. Alors, avec moins de flamboyance que depuis le début du tournoi, mais avec encore une fois de l'efficacité. Moi, c'est ce qui reste le plus important. J'ai apprécié la mêlée pour nous à 20 mètres plutôt que la touche pour les Gallois. Sur le ballon haut, là où il nous donne la mêlée. Il se trompe de ligne, en fait. Pas sur celle-là. Tu sais, quand duel aérien, il donne en avant Gallois. Alors que sur le duel Jaminet-Adam, c'est vraiment, c'est vrai, vraiment comme ça. Jaminet était pas ballon. D'ailleurs, il m'a fait un peu peur, le Perpignanais, parce que je sais pas si c'est Hulk, mais s'il attrape le ballon comme ça, à 3 mètres du sol, à 3 mètres, moi je lui offre des bières à Melvin Jaminet quand même. Messieurs, la première partie a été un peu longue avec Alexis Palisson et elle était très agréable. On va passer maintenant à la deuxième partie. Vous le savez, ce sont les notes qu'ont attribué les journalistes du Midi Olympique et de Rugbyrama qui étaient au Principality Stadium. On a vu Vincent Bissonnet qui était intervenu, qui a fait là une partie des notes, et Nicolas Zanardi qui était dans les tribunes, la tribune de presse. Cet exercice de temps en temps, je tiens à vous dire, c'est hyper subjectif. On n'a pas tous les mêmes avis et c'est pour ça qu'on va tous en débattre. Et vous, sur le là, chat, je suis... Alors, je vais regarder la caméra. Si auditeur ne tombait pas dans le panneau de Jérémy Fada qui essaie de mettre le bouclier pour défendre ses amis. Non, je rigole bien sûr. Mais je serai peut-être à leur place. Oui, le week-end et t'as prochain, été à leur place déjà plusieurs fois dans cette émission. Ils le savent et tu le sauras la semaine prochaine si tout va bien pour l'Angleterre et ce fameux. Je sais pas si je ferai les notes, mais oui, j'y serai. Voilà. Il faudra noter les Français qui font le grand chelem face aux Anglais. Retenez, coupez ça et vous verrez. Il faut que dans le chat, ils nous donnent leurs notes. Voilà, oui. Donnez-nous vos notes. Votre homme du match aussi. Peut-être le flop, mais on ne veut pas être trop négatif. Il y a eu victoire, n'oubliez pas quand même. L'homme du match officiel, ça a été Julien Marchand. Ça a été Julien Marchand. Mais tu l'as dit, Jérémy, pour venir, vu que c'est subjectif, les notes et notamment l'homme du match, peut-être qu'il y aura différents hommes du match. Ouais. N'hésitez pas à le dire dans le chat. Max, comme d'habitude, c'est Tristan qui s'y colle des fois. Tristan qui n'est pas trop loin de la caméra, je vous le dis, pour ceux qui s'inquiètent de ne pas voir Tristan Fire. Il est juste derrière et il travaille au web. Max, c'est ton boulot. Vas-y, ouais, dis-nous les notes qu'on t'attribue. Les notes sont sorties. Déjà donc, sur Rugbyrama, pour ceux qui veulent déjà aller. Déjà sur Rugbyrama, bien sûr, ça va vite. On va faire ça dans l'ordre. Cyril Baye, 6 sur 10. Julien Marchand, 7 sur 10. Donc il a été homme du match pour le Signation. Ouais. Je crois que chez nous, il y a un peu mieux. Antonio, 3 sur 10. Là, on en parlera. Je pense en parlera. Que c'est la note la plus faible. Woki, 5 sur 10. Willem C, 7 sur 10. Cross à 8. Voilà, Cross à 8. Qui est la meilleure note? Je crois que c'est si la meilleure note. Je ne me trompe pas des journalistes Midi Olympique. Je lance 5, son compère de la 3ème ligne. Greg Aldrit, 6. On passe derrière Antoine Dupont, 6,5. Ntamack, 6. Une charnière.
Je monte encore, ils ont écrit beaucoup. Hein. Ils ont beaucoup écrit. Gabin Villière, 6 sur 10 à l'aile. Jonathan Danti, 7 avec son match très solide. Ficou, 6. Moefana, 5. Et Jaminet, pour terminer, 6 sur 10. Voilà, le Perpignan qui est un peu plus rassurant. On en parlera après. Max a commencé par les avants. Nous aussi, vous le savez, on va s'arrêter sur 5 joueurs principalement, mais on parlera des, si on peut, des 10 autres qu'il y avait autour d'eux. On va s'arrêter sur l'homme du match. On l'a dit, attribué par le tournoi destination. Julien Marchand, Jérémy, il y a eu un bel article dans le Midi Olympique de vendredi qui disait que c'est un joueur qui avait peut-être été mis en danger à la tournée de novembre et qui a un peu fait taire beaucoup de débats et qui a calmé les choses dans ce tournoi. Et encore une fois, ce vendredi soir, il a fait le boulot, Julien Marchand, pardon. Il a mis les mains là où pas beaucoup les mettraient dans les rugs, notamment au grattage. C'est sûrement l'homme fort du 15 de France depuis le début du tournoi. En tout cas, le mec le plus efficace et le plus régulier dans la performance. Oui. Et ouais, alors dans le jeu au sol, incroyable. Le meilleur gratteur du tournoi destination. Aujourd'hui, il va encore nous arracher deux ballons ultra chauds. Ouais, c'est vrai. Alors, c'était par la force des choses qu'il avait été mis entre guillemets en danger parce qu'il s'est blessé, on se rappelle, contre la Géorgie. Il n'a pas pu jouer les Blacks. Et Peato Movaca, son coéquipier à Toulouse et qui est son remplaçant en équipe de France, avait été exceptionnel. 5 essais en 3 matchs. Gaëtan Barlow aussi, je crois. Jérémy avait été exceptionnel. Mais ça, c'est un détail personnel. Gaëtan Barlow le castré. Et à la sortie de la tournée de novembre, beaucoup de monde s'était demandé, peut-être nous les premiers d'ailleurs, est-ce que la hiérarchie est remise en cause au poste de talonneur ? Ah là, je crois vraiment qu'en 4 matchs, Julien Marchand... Mais surtout, je tiens à dire quand même, plus que Julien Marchand qui est extraordinaire, et il l'est, c'est cette association. Marchand qui démarre, Movaca qui termine, celui qui va arracher le dernier ballon, le 80e, et qui nous offre du coup le coup de sifflet final, c'est Peato Movaca. C'est ça le pire. Le profil de ces deux joueurs, avec Marchand qui démarre, Movaca qui finit, aujourd'hui, pour moi, c'est la doublette la plus efficace sur la planète rugby. Voilà, sur la planète rugby, parce que aussi, on avait quelques inquiétudes, notamment au niveau du banc des remplaçants, parce que Romain Taufinois, positif au Covid, n'était pas du déplacement à Cardiff. On savait que le banc allait être important. Il est rentré tôt, encore une fois, en première ligne, surtout. Voilà, la première ligne à la 50e minute de jeu, voilà, Atonu remplacé à la mi-temps par Mohamed Awas. Et à la 52e, je me souviens bien, Gros et Movaca qui sont sur le terrain. On a même, nous, fait un peu les gros yeux au milieu olympique, même si on est habitué qu'ils soient sortis tôt. Mais on se disait, dans un match comme ça, on s'attendait à qu'il dure un peu plus longtemps, cette première ligne. Et au final, Movaca, il rentre, il est quand même énorme encore, Peato Movaca. Comme d'hab. Il gratte ce ballon, mais il n'y a pas que ça, quoi. Il est actif dans le jeu. Toi qui le suis au Stade Toulousain au quotidien, est-ce que les grosses performances de Movaca, tu vois, en automne et tout ça, quand il a vraiment explosé aux yeux du grand public, alors que ça faisait déjà quelques temps qu'il faisait des grosses perfs, ça n'a pas joué sur Julien Marchand un peu hein. Il ne s'est pas dit, lui, à un moment donné, peut-être que j'ai ma place. Qui... Ouais, peut-être j'ai ma place qui est en jeu, et là, il est injouable maintenant. Je pense que ce garçon est un ultra compétiteur, évidemment. Et ce garçon, si vous suivez un petit peu sa carrière, il a eu des coups durs. Oui. Une grave blessure qui lui a fait rater juste un titre de champion de France sur le terrain en 2019 et une Coupe du Monde. Une suspension qui lui a fait rater une finale de Coupe d'Europe l'an dernier. Et ce mec-là, moi, pour le suivre au quotidien, vu que je m'occupe du Stade Toulousain, il revient à chaque fois plus fort. Dit. Et c'est ça qui est dingue. Il revient à chaque fois plus fort. Et là, c'est ce qui est en train de se passer. Et après, ce qui est quand même, il faut le souligner, c'est que ces deux mecs-là sont en compétition, en club et en sélection. Et pour les voir quand même très régulièrement, pour en parler avec beaucoup de monde, ils sont quand même potes en dehors. Ils ont réussi à trouver un fonctionnement. À Toulouse, ils ont quasiment un jeu égal. En équipe de France, ils ont compris que leur complémentarité toulousaine jouait en leur faveur. Et c'est tout bonus c'est pour le staff du 15 de France. En plus, il y a une ultra complémentarité. Et oui, parce que les profils, les profils de ces mecs, un énorme gratteur d'entrée et un mec aussi percutant pour finir. C'est génial, quoi. Ils n'allaient rien à la puissance de Julien Marchand aussi. Parce que, non, mais joueur ultra complet. Voilà, on l'avait vu à la soirée des Oscars Midi Olympique. Il m'a donné envie de rester assis dans mon siège, Julien Marchand, quand il m'est passé à côté. Quand même. J'avais pas trop envie de le croiser sur un terrain de rugby. Je me dis que pour le déblayer, forcément, ça va pas être facile. Et quand tu vois le réservoir qu'on a en termes de talonneur français aujourd'hui en top 14, déloger ces deux joueurs, certains, ils auraient déjà eu 30, 40 sélections. C'est ce que disait Gaëtan Barlow il y a quelques semaines. Il est très heureux d'être en équipe de France et puis il est conscient que devant lui, il y a meilleur que lui. C'est pas du tout méchant pour Gaëtan Barlow, mais aujourd'hui, il y a pas mieux que même dans le monde. Et t'imagines qu'il y a Camille Chat et Pierre Bourgarit à la maison, quoi. C'est ça. Ce sont deux joueurs énormes. C'est incroyable. Non, mais c'est énorme. On peut que se réjouir de ça. Du coup, messieurs, on va pas passer un quart d'heure, même si les gens sont d'accord avec Marchand. De toute façon, ils disent que c'est une machine de guerre, concrètement. Alors, pour les puristes, il y a que Basile dans la rédaction qui a dit que Movaca devait être titulaire. Mais bon, on lui a rien dit, Basile, le fameux Basile, qui est assez fort dans les pronostics. Derrière, comme d'habitude, voilà, il y a derrière la première ligne, il y a les deuxièmes lignes. Alors, on a déjà beaucoup parlé de Cameron Wookie, on s'est habitué à le voir avec ce numéro 4 dans le dos.
on en a aussi parlé, mais on va en reparler parce que Paul Williamsey, le Montpellierain, avec le forfait de Romain Taufenois, j'y reviens dessus, on savait qu'il fallait qu'il fasse tout le match. Il l'a fait, le Montpellierain, et il l'a plutôt bien fait quand même. Comme j'ai dit, il y en a qui vont avoir mal aux côtes, notamment Liam Williams, qui s'est essayé. Alors, je ne sais pas s'il a voulu se sacrifier pour la patrie. Quand je suis joueur de rugby, je percute Jonathan Danty et Paul Williamsey en même temps. Ben, je ne me dis pas que je vais mettre des culs, quoi. Il prend un reculoir comme il a pris. Par contre. De quoi ? Tu dis que tu peux prendre une commotion par contre. Aussi, ben, c'est peut-être ce qui lui arrive et quand même le pauvre Liam Williams. Non mais plus sérieusement, non, mais... Paul Williamsey, il est énorme. Deuxième meilleur placard du match là. Ouais, 13 placages, là, 0 raté. 0 raté. Combien de placages pour 13. Les 13 placages, mais en plus, c'est pas des placages. Alors, je dirais aux placages aux chevilles qui font tomber, c'est très efficace. C'est des placages, il a retourné. Josh Navidi, il a fait son retour dans le tournoi, il l'a su. Hein. Il faut, a pris... faut souligner quand même la dimension qu'a pris ce garçon là en 2-3 ans. Après la Coupe du Monde 2019, je me rappelle de tous les papiers qu'on a fait. Vamaina part à la retraite, on n'a personne en numéro 5, ça va être le désert. Ce garçon-là, il a gardé cette même puissance, mais il s'est affiné pour devenir quand même un peu plus athlétique. Aujourd'hui, il fait 80 minutes à Cardiff. Ouais. Depuis le début du tournoi, on rappelle à chaque fois à l'heure de jeu, c'était Taufenois qui rentrait. Oui. Parce qu'on ne savait pas si Williamsey avait le coffre pour faire les 80. Les 80 minutes qu'il nous sort ce soir, c'est très haut niveau. Mais ça prouve une chose, c'est que quel que soit le poste aujourd'hui, moi, je me dis, mais quelle nation ne peut pas regarder droit dans les yeux ? Mais non, mais franchement, il y a qui de meilleur que le VMC de ce soir dans le monde avec le numéro 5 dans le dos ? On ne va pas s'emballer, on ne va pas vouloir, on va dire, amener le karma en France. Mais sérieusement, aujourd'hui, on a battu les All Blacks. Enfin, je dis « on », bien sûr, parce qu'on est français, mais on a battu les All Blacks. On le sait quand même, aujourd'hui, la France, sur le papier, rivalise, regarde dans les yeux toutes les nations du monde. Ouais, mais je parlais même au poste. Oui, mais au poste, mais poste sur le papier. Franchement, non, mais sincèrement, bien sûr, sur le papier, quand je vois, on en a parlé du réservoir, mais c'est typiquement le réservoir que n'ont pas les Gallois. Les Gallois, quand ils ont eu énormément de blessés, et ils en ont toujours, en deuxième ligne, il n'y a pas Alwyn Jones, avec l'âge qu'il a. Alors, c'est une légende, Alwyn Jones, mais au bout d'un moment, quand même, il doit un peu tirer la langue, notre ami Gallois. Mais on ne peut pas dire que Rollins, pour avec un bel accent, et Bird, bah, ils fassent oublier Alwyn Jones, ils n'ont pas le réservoir qu'ont les Français. C'est sûr, et justement, on parle beaucoup de nos feux follets, hein, des Dupont, des Ntamack, des Villiers, des Penaud, etc. Mais dans ce genre de match beaucoup plus cadenassé, les garcons comme Villemcey, comme Marchand, c'est eux qui te font gagner le match, parce qu'il les marque physiquement. On en a parlé, mais les Gallois, c'était quand même un rugby minimaliste. Ils prenaient peu de risques, ils tapaient au pied, les chandelles, il y avait beaucoup de rucks. On avait énormément de plaquages des Français, un nombre qu'on n'a pas vu depuis le début du tournoi. Et puis, c'est ces mecs-là qu'on voit, parce que c'est ces mecs-là qu'il faut qu'ils fassent le boulot, et ils le font, le boulot. Tu vois, ils dominent l'adversaire. Les gens dans le chat disent vraiment que Williamsey méritait même plus, ils sont vraiment d'accord avec la note, et certains disent qu'il méritait même plus que 7. Tu vois, il fait un match incroyable, quoi. Ils disent qu'il fait peur, il est hyper clean, il est féroce. Oui. Il fait pas de faute, en plus, Williamsey, ce soir encore. Ouais, peut-être qu'il en fait une. Non ? Ah non, je pense pas. Non, je crois pas qu'il fait pas de faute. Hein. On dira rien à la rédaction. Quelqu'un l'avait vu se faire sanctionner. Dans un rec, bon, c'était Moefana sur le coup, et c'est notamment la pénalité dont parlait Alexis Palisson, qui pour lui. Il n'y avait pas pénalité. Bon, on va pas débattre sur les décisions arbitrales. On a gagné, c'est l'essentiel. Les Français ont gagné. Peut-être qu'à la rigueur, on peut dire qu'on l'a un peu moins vu, un peu moins présent en fin de match, mais là où d'autres ont pris le relais. Ouais. Mais franchement, non, Williamsey, très grand match. Aujourd'hui, et puis pour ceux qui ont une bonne mémoire, Williamsey avait marqué déjà il y a 2 ans au Principality Stadium, tout en puissance sur une belle combinaison en touche, avait marqué ses Gallois. Ses Gallois mémoire. Quelle mémoire il a quand même. Ouais, il est jeune, donc il se rappelle. Vous l'utiliserez par rapport à l'âge. Mais demandez-vous pourquoi moi, je me rappelle il y a 2 ans, et eux ont déjà oublié. Nous, on parlait de 2010 avec Alexis Palisson. On parlait de 2010 avec Alexis Palisson, bien sûr, le dernier grand chelem français. On va passer direct à la troisième ligne. Ah, peut-être on y passera après parce qu'on me dit, je l'ai déjà dit, je n'ai pas d'oreillettes ce soir, elles n'ont pas fonctionné. C'est Baptiste Barba et Aurélien qui, comme d'habitude, gèrent derrière les caméras, qui me font signe. Vincent Bissonnet est de retour. Qui on a donné 8 sur 10 à Vincent Bissonnet. Voilà, 8 sur 10. Et d'ailleurs, dans le chat, ils disent que tu méritais mieux, Vincent. 8 sur 10, c'est comme Willem C, mais il mérite peut-être un peu mieux, Vincent Bissonnet. Vincent, est-ce que tu nous entends encore une fois ? Je vous entends très bien. Ouais. Voilà, et il n'a pas changé de place. Vincent, il est bien dans son Principality Stadium. T'es mieux que nous, hein ? Ouais, t'es mieux que nous, ouais. Il va se faire sortir bien, pour les vigiles. J'ai le tracteur tondeuse qui passe derrière. Il passe toujours à tondeuse à Cardiff ? Quand Willem C est toujours sur le terrain. Le tracteur tondeuse maintenant. Le tracteur tondeuse. Oh là, le tracteur. Du coup, Vincent. Willem C est parti, mais le tracteur est encore là. Voilà. Du coup, Vincent, tu as participé, voilà, tu as pris part à la conférence de presse de Fabien Galthié. On va commencer par le sélectionneur. Quels ont été les principaux mots du sélectionneur tricolore ? Qu'est-ce qu'il s'est réjoui ? Et surtout, dis-nous, Vincent, dis-nous qu'il a parlé de grand chelem quand même, notre ami Fabien Galthié. Il en est obligé maintenant.
Non, c'est beaucoup trop tôt. Non, je déconne. Évidemment qu'il a parlé de grand chelem. Alors, c'est même Antoine Dupont, hein, ah, meilleur joueur du monde en personne, qui a lâché le mot, qui a dit, bah oui, à partir de maintenant, je le cite, hein, on peut parler grand chelem. Voilà, maintenant, c'est bon. Donc, il a répondu clairement à la question. Il a dit qu'il était à 80 minutes de la performance, qu'elle était du coup voilà, tout à fait envisageable, voilà, publiquement parlant, on dira. Et du coup, ouais, pour revenir sur le match, qu'a dit Fabien Galthié, il a aussi appuyé sur la sérénité de ses joueurs quand même, qui n'ont pas gagné de 20 points, mais qui n'ont, on dirait, jamais été inquiétés en fait sur le terrain. Ils n'ont jamais stressé sur cette pelouse du Principality Stadium. Ouais, Fabien Galthié a mis en avant un peu les stats, hein, de cette vraie bataille à la fois physique et tactique. Alors, 36 coups de pied, notamment Gallois, il disait que c'était un chiffre assez énorme, assez rare. Ce qu'il a souligné, c'est, voilà, c'est la qualité de la performance des Français, on peut dire l'enjeu sans ballon, hein, concrètement. Oui. Avec 5 rucks récupérés, ce qui est assez énorme à ce niveau de la compétition, avec 93% de réussite au plaquage, avec seulement 8 pénalités concédées, voilà, oui, on a très peu le ballon, bah, c'est quand même une très très bonne stat. Voilà, et cette espèce de. Il a même évoqué, voilà, ce savoir-faire du rideau défensif. Voilà. Il a un peu rendu un hommage à Sean Edwards sans le citer, sans le nommer. Mais effectivement, c'est ce qui est beaucoup revenu lors de cette conférence de presse. Vincent, justement, au-delà de la sérénité, il a dû parler, on a parlé de Grand Chelem, il a dû forcément parler de l'Angleterre, du coup. Qu'est-ce qu'ils ont lâché? Ils ont lâché du lest, tu nous as mis l'eau à la bouche. Où ils ont appuyé en fait? Là, c'est une belle semaine, on va dire. C'est une semaine dont ils en connaîtront pas des milliers comme ça dans leur carrière, les joueurs. Donc, peut-être Antoine Dupont l'a évoqué. Oui. Alors, on lui a posé la question de savoir, voilà, comment était l'ambiance dans le vestiaire un petit peu, pour prendre un petit peu la température. Et il a dit, voilà, il y avait un mélange de satisfaction et de fierté parce qu'on avait conscience d'avoir effectué quand même un gros pas en avant et d'avoir réalisé une belle performance. Mais il disait, j'ai senti direct que les gars tournaient le regard vers le Stade de France. Parce que voilà, le tournoi ne sera beau que s'il y a la victoire face aux Anglais. Maintenant qu'on est là, on ne peut pas espérer autre chose que le Grand Chelem. Et voilà, donc direct, il était vraiment focus sur ce match. Il a annoncé assez spontanément voilà, qu'il faudrait s'améliorer dans l'animation, qu'il faudrait s'améliorer dans l'utilisation du jeu de pied, voilà, pour venir à bout du terrible rival anglais. Dans le chat, on nous pose des questions, Vincent, pour toi. Oui. Les gens ont trouvé les Bleus assez fatigués sur le match, assez épuisés, notamment à la fin de la première mi-temps. On l'a vu, il y a eu des longues séquences. Ouais. Tu l'as senti, toi, peut-être en conf, Antoine Dupont, un peu plus fatigué que d'habitude, ou les joueurs que tu as pu voir de plus près que nous, tu les as sentis épuisés ou pas forcément, on se trompe à la télé? Bon, Antoine Dupont n'est jamais fatigué. c'est pas le bon exemple. Non, mais c'est vrai, on a senti les joueurs un peu mâchés. Bah, après, il y a tout simplement les chocs. On a vu notamment Yoram Moefana qui est revenu avec une genouillère et tout. On a quand même senti que les joueurs étaient un peu mâchés. Il y a quand même l'enchaînement. Alors, même si Fabien Galthié dit qu'il est satisfait de la manière dont il a géré un peu les énergies sur la durée du tournoi, bah, mine de rien, quand même, les Bleus sortent d'un deuxième match de suite à l'extérieur. Un match qui a été plus dur. Physiquement parlant que celui de l'Écosse. Et après voilà, il y a eu des impondérables cette semaine. Il y a eu notamment il est revenu sur le fait qu'il y a eu le Covid. Il y a eu aussi un virus qui n'était pas le Covid, un autre virus. Il y a eu d'autres virus, je me rappelle. Un virus qui s'est invité à Marcoussis, qui a fatigué un peu les organismes. Voilà, donc un peu de maladie, un peu de Gallois, un peu de lassitude. Voilà, dû à l'enchaînement quand même des entraînements et de. Et à tout l'influx de la compétition, bah, ça donne des Bleus effectivement un peu fatigués ce soir. Ouais, et Vincent, quand même pour nous rassurer, est-ce que Fabien Galthié a esquissé un petit sourire quand même après la quatrième victoire de ses joueurs? Parce qu'on a l'impression qu'on le voit à la télévision derrière l'écran, nous dans la rédaction, il a du mal à sourire notre ami Fabien Galthié. Est-ce qu'il a esquissé juste un petit sourire quand même en conférence de presse? Non, je pense qu'il nous garde son plus beau sourire pour le Grand Chelem. Pour la photo avec le trophée, on le comprend, Vincent. On va peut-être te libérer, Vincent. Sur ce que tu as dit, Vincent, on n'est pas sûr de croiser les Français au Tiger Tiger ce soir, alors. Après, des fois, la troisième mi-temps, elle convoque une énergie insoupçonnée. On ne sait jamais. Voilà, c'est là où les auditeurs vont aller. Jamais. Tu vois, il a l'habitude de faire les fermetures. Voilà, Vincent le connaît, il va faire la fermeture du Millennium. C'est pas donné à tout le monde. C'est ça. On voit les journalistes expérimentés qui connaissent les bonnes adresses de Cardiff. Le petit,
Voilà, le voilà. Facteur, voilà. Paul William C qui continue. Direct, voilà. C'est direct, il y a très peu de personnes qui le voient, voilà. c'est priorité au direct pour les auditeurs, vous voyez. Il y a Gareth qui passe le tracteur, voilà, à minuit, lui il est là, il tend la pelouse du Précipité Stadium. Merci Vincent d'être repassé dans cette émission, ouais. On va te libérer. Peut-être que tu vas dormir dans les tribunes, j'espère qu'il ne fait pas trop froid, parce qu'ils ont dû fermer les portes déjà. Ouais, devine, moi je vais demander à fermer le toit pour la nuit, mais c'est bon. Merci Vincent. Pour tout vous dire, il m'a envoyé une photo ce matin, il le voit le stade de sa chambre, donc il dort un peu dans le stade quand même. Il y a vraiment que des chanceux. J'ai l'impression qu'il n'y a que des chanceux sauf moi sur ce plateau. Il y en a qui vont voir France-Angleterre, il y en a qui sont allés au Pays de Galles. Non, merci Vincent et bonne soirée à toi du coup. Au Tiger peut-être, on te le souhaite en tout cas. Non, merci d'être passé et ciao, bonne soirée et bon retour en France. Ciao la team. Ciao. Du coup voilà, Vincent qui va profiter de sa soirée à Cardiff et que vous aurez plaisir de lire ses papiers dans le Midi Olympique de ce lundi. Le commentaire général, bien sûr, et on reviendra longuement dans de nombreuses pages sur ce match, forcément. Messieurs, les notes, du coup, on va continuer, on va reprendre avec le chat nos notes. Derrière Paul Willem C aussi, il y a Anthony Jelonche. Alors, on a choisi d'axer, bien sûr, on parlera des autres amis, Grégoire Aldrit et François Cross, notamment Cross qui a la meilleure note des journalistes Midi Olympique. Anthony Jelonche qui a marqué le premier essai français, mais qui a surtout, et ça je veux le souligner, tapé le ballon en touche à la 80e minute, qui a soulagé 60 millions de personnes d'un coup. Et ça, c'est pas donné à tout le monde. Je pense que ça méritait un ou deux points de plus au niveau de la note. Anthony Jost qui a eu un 5 sur 10. 5 sur 10, ouais. Alors, pour être honnête, je trouve ça un peu dur. Je suis peut-être pas c'est objectif. C'est pas une mauvaise note. Hein. Il est pénalisé deux fois, je pense. C'est ça oui, il est pénalisé deux fois. Ouais. Après, j'ai cru comprendre la note. Il disait qu'il avait pas eu l'impact qu'on lui connaît. Alors, du coup, c'est Jérémy, toi qui étais en Écosse, voilà, je vais pas défendre Anthony Jelonche, je vais pas faire le têtu. Mais Anthony Jost qui était un peu en dedans en Écosse déjà. Qui a été un des plus mauvais français, même si ça lui manquait de respect. Aujourd'hui, du coup, il a 5 sur 10. Il a marqué, il a dégagé magnifiquement en touche à la fin. Mais voilà, le Toulousain, quand même, qui non, fait le mais boulot. Mais... Il fait un match sérieux, bien meilleur qu'à Murrayfield. Oui. Je pense que c'est pas lui manquer de respect. Je pense que si on lui pose la question, il nous le dira lui-même. Il avait été en dedans, effectivement, à Édimbourg. Après, c'est vrai qu'Anthony Jelonche, peut-être, on l'a connu un peu plus dominant physiquement. Qu'aujourd'hui et qu'en Écosse, c'est peut-être ça qui reflète un petit peu la note par rapport à un Willem C à côté, même un Greg Aldrit ou un François Cross. Peut-être après, il a été encore une fois sérieux défensivement. Non, je crois bon. Qu'il finit à 11 ou 12 plaquages, il me semble. Monsieur Stat. 10-0, je l'enchaîne. Oui, 10 plaquages, mais il a peut-être moins avancé que d'autres fois et notamment offensivement. Voilà. Bon, après, attendons, il a la moyenne. Moi, incisif. Joueur normalise l'exceptionnel, messieurs. On attend toujours plus d'eux, je le comprends. Moins incisif. Dédale 117 dans le chat dit qu'il est moins incisif. Il n'est pas autant dedans qu'en Écosse, mais match compliqué. Peut-être qu'il enchaîne quand même. Il enchaîne, Anthony Jelonche. C'est un garçon qui a fait la tournée en Australie, faut pas oublier qu'il a beaucoup joué avec le Stade Toulousain, qui a eu connu la période Covid du Stade Toulousain, qui a manqué un petit peu de rythme. Il avait enchaîné avec le CO, il a enchaîné l'Australie, il a enchaîné avec Toulouse, il y a le 6 Nations, ça doit peser peut-être un peu. Et une bonne entrée de Dylan Cretin aujourd'hui, à souligner en fin de match. On a vu un très bon plaquage justement de Dylan Cretin sur, on a parlé de la défense française, le Lyonnais a fait le boulot quand il est rentré, comme beaucoup d'autres remplaçants, même si Thibaut Flamand a été pénalisé un peu bêtement sur ce retournement de Josh Adams sur un ruck, il aurait pu éviter. Du coup, Anthony Jelonche, un peu en dedans, et à côté de lui, François Cross, le numéro 6, 8 sur 10. Toi, on sait encore une fois, vous le savez, Jérémy suit le Stade Toulousain depuis de nombreuses saisons, donc François Cross, il l'a vu grandir, il l'a vu progresser. Aujourd'hui, il touche le ciel comme beaucoup d'autres, mais aujourd'hui, François Cross, presque j'ai envie de dire, alors je vais parler pour moi, mais on le voit pas énormément, monsieur propre, mais c'est comme un arbitre, quoi. Quand on n'en parle pas d'un troisième ligne, c'est souvent qu'il y a du positif plus que du négatif, quoi. Et ce soir, c'est le cas pour le Toulousain. C'est un joueur que j'adore, donc je vais pas vous en dire du mal. Je pense sincèrement, par exemple, qu'au Stade Toulousain, c'est le premier nom qu'on pose au moment où on fait le pack, et que suivant le profil du pack, et ben François Cross, il va s'adapter. Voilà. Ouais. S'il faut être aérien et coureur, il sera aérien et coureur. S'il faut aller batailler dans les rucks et être fort en défense, il sera fort en défense, il ira batailler dans les rucks. Et c'est exactement ce qu'on voit sur ce tournoi. Sa montée en puissance, elle est impressionnante. Là, il vient de nous aligner trois matchs de très, 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 très haut niveau. Et c'est le joueur complet par excellence. Les plaquages. C'est lui le meilleur plaqueur sur le match. C'est 14. 14 plaquages. Mais c'est ça. Garçon actif à tous les niveaux. Très juste dans le jeu, qui va prendre les touches en fin de match quand Wookie n'est pas là. C'est ça, parce que je n'ai pas fait mon monsieur négatif ce soir, il y a victoire, mais on a vu les Français en difficulté en touche
Alors, c'est pas le capitaine de touche, François Cross. Du coup, c'est pas lui qui décide des combinaisons. Voilà, ouais. C'est Cameron Wauquiez, le Bordeaux Béglé. Mais peut-être qu'on aurait pu le voir avant, quand même, François Cross en touche, peut-être pour rassurer, ou essayer en tout cas. Je ne dis pas qu'il aurait eu les ballons. On aurait pu peut-être le voir un peu avant pour rassurer Julien Marchand. On va essayer d'analyser quelque chose. Voilà, dont on n'a pas les clés. Analyser, je suis d'accord. La touche, c'est super dur à analyser. Quand je dis des bêtises, Jérémy, tu peux me le dire. Ce sera pas la première fois que tu me le dis que je dis des bêtises. La touche avait si bien marché depuis le début du tournoi qu'on va pas tout balayer comme ça. Mais voilà, pour juste en revenir à François Cross, c'est un garçon qui sait prendre ses responsabilités et qui le fait maintenant en équipe de France. Et je pense vraiment que ce joueur aujourd'hui est quasiment indispensable dans cette troisième ligne. Il ne faut pas qu'on le voit un petit peu plus, les gens le disent, offensivement. Mais on le voit offensivement. On le voit. Mais moi je trouve que c'est un garçon qui, à chaque fois qu'il touche le ballon, il le bonifie. Oui, on ne lui demande pas de traverser le terrain. Hein. Là je suis d'accord avec Jérémy, parce que aujourd'hui, déjà, il a Grégory Aldrit à côté. Alors, on ne dit pas que Grégory Aldrit doit tout faire, mais on a vu qu'en sortie de touche, voilà, les touches qu'ont récupéré les Français, il lançait Grégory Aldrit vers Dan Bigard, il ne lançait pas François Cross, parce que c'est là où Grégory Aldrit est meilleur que François Cross dans son style. Pour moi, François Cross, ce qu'il fait là, il pourra difficilement faire mieux. Bien sûr qu'il peut mettre deux culs et partir au milieu des poteaux, je suis d'accord, mais déjà, je suis d'accord aussi avec... Je réfléchis en parlant, mais peut-être que l'action qu'on voit où Anthony Jelonche est sur l'aile, peut-être qu'on ne le voit pas, François Cross. C'est pas un genre à rester sur l'aile. On sait qu'aujourd'hui, c'est la mode un peu les troisièmes lignes, à rester sur l'aile, comme Anthony Jelonche a marqué en bout de ligne. On sait qu'il y a quelques années, on le voyait peu. Ça, François Cross, c'est plutôt lui, centre du terrain. Il ne le fait pas. Peut-être que c'est un plan de jeu, forcément. Ouais, hein, je demande plutôt à Anthony Jelonche d'y rester. Et là, François Cross ne le fait pas. Mais qu'est-ce qu'on peut demander encore une fois? Comme Julien Marchand, il normalise, je vais peser mes mots, mais il est exceptionnel. C'est des joueurs qui font toujours des gros matchs. On l'a dit, mais en club, ils ont gagné deux Brennus, ils gagnent une Champions Cup. Et bon, cette année, c'est moins bien, mais bon, là où j'avoue que je suis content sur le plan personnel, c'est que je pense que François Cross, aujourd'hui, récolte ce qu'il a semé pendant des années. Et en tout cas, il mérite d'avoir cette reconnaissance-là. Parce que moi, ça fait quand même plusieurs saisons que je le vois évoluer à ce niveau-là. Et je trouve qu'il a dû attendre avant de se faire sa place au plus haut niveau. Et sincèrement, sur ses performances sportives, il le méritait. Ok, bon. J'ai un petit point stat. Ah voilà, les points stat. Il vient sur mon téléphone, le petit point stat. Je te rassure, ne me dis pas que c'est Romain Lafont. J'ai un petit point stat. C'est pas Romain Lafont. C'est pas Romain Lafont pour une fois. Ça vient de Tristan et ça vient de Léo Faure à la base, journaliste au Midi Olympique. Et le petit point stat est quand même pas mal. C'est la première fois en 13 ans que les Gallois ne marquent pas un essai au Millennium. Tu disais que c'était la victoire de Sean Edwards. Et c'est la victoire de la défense. Là, ça a plus nos propos. Non, mais en plus, ce qui est super fort en plus, c'est que Sean Edwards. Ancien entraîneur de la défense mythique qui a gagné. Du Pays de Galles. Et qui a gagné. Du Pays de Galles. Donc peut-être que c'est lui quand même qui avait le mieux les clés pour défendre sur ces gars-là. Ouais. Donc je vais faire mon défenseur du beau rugby. Évitez les chandelles sous les poteaux quand vous êtes dans les 22 mètres, peut-être. Même si vous êtes avec une grande défense, peut-être un peu plus de chance de marquer. Jonathan je ne veux pas être méchant envers les Gallois. Pour avoir revu l'action, franchement, il y a quand même Antoine Dupont qui arrive en travers. Pleine bourre, à 5 mètres de l'embute, il pouvait quand même, même si Jonathan Davis avait attrapé le ballon, il pouvait le désosser quand même. Oui, on aurait quand même fait un peu d'huile quand même sur le coup, Jérémy. Vaut mieux qu'il fasse en avant, l'ancien Clermontois. Non, mais voilà. Messieurs, le pack, on en a parlé. Du coup, on va passer derrière. Alors, on parlera peut-être de la charnière, mais on va surtout se partir vers le triangle arrière, vers les ailes. Les ailes qu'affectionne particulièrement Max Gutier avec sa vitesse sur un terrain. Non, mais on va parler de Yoram Moefana. Oui. Alors encore une fois, j'ai l'impression d'être plus négatif que positif, je l'espère pas pour les auditeurs, on ne doit pas parler que du positif bien évidemment. Yoram Moefana, on savait que Damien Penaud, son absence allait peser, il y a une action qui m'a marqué où on a l'impression, on l'a dit, si c'est Damien Penaud qui a le ballon en 1 contre 1 face à Josh Adams, c'est soit petit coup de pied par-dessus à la Teddy Thomas ou à la Damien Penaud, là bon, le Bordelais, on sait bien sûr qu'il a pas mal joué, il est à la percussion, il a libéré le ballon. On a vu quand même peut-être que c'était pas forcément son poste quand même. Alors je pense que les gens qui sont avec nous se rappelleront de cette action. Ce serait peut-être injuste d'aller pointer du doigt Moefana sur ce coup-là, parce que Damien Penaud, dans ce genre de situation, pour moi c'est le meilleur joueur du monde. Voilà. Bout de ligne, 1 contre 1 et du champ devant lui. Je résume, Julien Marchand, meilleur talonneur du monde. Paul Willemse, meilleur deuxième ligne du monde. Non, j'ai pas dit que c'était le meilleur talonneur du monde, Julien Marchand. Pas. Damien Penaud, meilleur ailier du monde. Non, mais dans le... Pas forcément le meilleur ailier du monde, mais alors sur un contre un avec du champ derrière, il y a un point fort, le Clermontois, c'est clair. Le briviste de formation, il est là. Pardon. C'est placé. Il est obligé. Non, voilà. mais bien sûr qu'il nous a manqué. Après, quand on met Moefana à l'aile, on sait qu'il n'a pas les mêmes qualités que Damien Penaud. Match sérieux, mais beaucoup plus discret
qu'à Édimbourg, c'est vrai, qui démarre quand même sur une note très positive. C'est son dézonage sur le premier essai où il est quand même décisif. Son intervention est absolument décisive et ça, faut le souligner. Et match pas cadeau quand même, match pas cadeau. Non, sur un match comme ça, il a peu de ballons, cadeau, on peut pas trop le voir. Je vais un peu trouver un argument pour défendre. Ils n'ont pas fait un mauvais match, mais si on dit que Youra Moïfana a pas fait un excellent match, on va pas dire que, par exemple, Gabin Villière, il a été bon en défense, mais il a eu peu de ballons en attaque aussi. Les élites, bon, voilà, ils peuvent pas faire des exploits s'ils ont pas de ballons. Il a été peut-être mis un peu plus en danger défensivement que voilà. Gabin Villière. Le danger est venu d'ailleurs beaucoup plus souvent du côté de Moïfana. Après, ça serait peut-être dur de l'incriminer lui. C'est souvent collectif aussi. Oui, non, c'est sûr. Y a pas de... Mais il est vrai. En tout cas, il a été moins en vue qu'à Édimbourg. C'est une certitude. Mais il y a eu moins d'offensives françaises aussi qu'à Édimbourg, faut le dire. Il n'a pas travaillé en début de semaine à l'aile. On rappelle que le forfait, oui, voilà, forfait de Penaud est arrivé au dernier moment. Oui. Voilà, les conditions n'étaient quand même pas simples pour ce garçon qui fait encore une fois un match sérieux. On rappelle ce garçon qui est très jeune, qui découvre un peu le très très haut niveau avec les Français. Max, tu voulais peut-être intervenir. Les gens, vraiment, t'as lancé une grande pièce dans le chat en parlant de Damien Penaud, meilleur finisseur. Et c'est vrai qu'ils disent que c'est compliqué de le juger sur ça, parce qu'évidemment, là, on s'attache à Damien Penaud, à Teddy Thomas, ces deux monstres de finition. C'est vrai que c'est compliqué de. Le chat a réagi sur meilleur finisseur, mais pas Brivis de formation quand même. Pas Brivis de formation, non, c'est vrai. Ils n'ont pas voulu relever. Mais ils sont quand même plus clément peut-être que les notes que nos notes à nous, en disant que vraiment il s'adapte à son poste qui est à chaque fois différent. Il fait un match sérieux, même s'il fait quelques années avant et tout ça, il a quand même très peu joué à l'aile avec l'UBB. On sait que les joueurs bordelais en équipe de France, ils ont même peu pas joué le même poste comme Cameron Wauquiez, voilà. Donc mais c'est une garantie pour le staff du 15 de France aujourd'hui, Moïfana. Oui, non, c'est sûr, ça l'était pas il y a un an parce que ce garçon là arrivait tout juste au niveau, et au niveau non pas international, mais je vous rappelle, c'est un garçon qui a juste 2 ans de top 14 dans les jambes. C'est sûr. Et aujourd'hui, c'est une garantie. Je veux dire, Damien Penaud forfait le mercredi matin, le staff du 15 de France, il a réfléchi une demi-seconde. Hein. Il a mis Moïfana à l'aile, pas de souci, et on s'en est très bien sorti. Après, on aura Penaud contre l'Angleterre parce qu'il sera sorti de sa période Covid, et on sait que c'est Penaud qui démarrera le week-end prochain. On l'espère. Parce que Thomas est toujours blessé. Voilà. Quel dommage. Et on espère bien sûr qu'il n'y ait pas plus de cas de Covid-19 dans le La bonne nouvelle, c'est qu'il n'y en a pas eu depuis. Non, il n'y en a pas eu, donc c'est forcément une bonne nouvelle. Mais on sait que, voilà, avec ce Covid-19 qui nous suit depuis plus de 2 ans. Voilà, bon, l'autre bonne nouvelle, c'est qu'ils sont un paquet à l'avoir eu dans les 2 derniers mois. Voilà, on ne dira pas qui est secret médical, mais oui, ils sont nombreux. Alors, on peut le rattraper, apparemment, on va pas faire. On n'est pas sur Arte, mais on va pas faire les docteurs. Du coup, à côté de Moïfana, messieurs, avec le numéro 15 à dos, il y avait Melvin Djaminé. Et là aussi, comme Anthony Gelanche, en Écosse, ça n'a pas été une partie de plaisir pour le Perpignanais. Loin de là. Et là, au bout de 15 minutes, il nous avait quand même rassuré, Jérémy. Un joueur que tu auras du coup plaisir à suivre la saison prochaine du côté d'Ernest Vallon, Melvin Djaminé. Je sais pas, j'ai pas vu de communication officielle. Communication officielle, voilà. Non, mais Melvin Djaminé nous a quand même rassuré, on peut dire. Alors, il loupe cette pénalité qui aurait un peu plus rassuré les Français. Mais on peut dire que c'est quand même un bon match. Il y a eu du bien et du moins bien dans la partition de Melvin Djaminé. Par contre, ce qu'il faut absolument souligner, c'est le mental de ce garçon. Moi, ce qui m'impressionne chez lui, c'est ça. Parce que tu l'as dit, il sort quand même d'une partition décevante en Écosse, oui, faut le dire. Où il a été ballotté dans les airs. Et notamment, il est sur un aussi. Début de tournoi mitigé, il faut le reconnaître. Et il a eu 2 semaines. On se dit qu'il a dû gamberger un peu dans la tête. Ces 2 premiers ballons, il nous les remonte. Il nous trouve un intervalle magnifique avec ce franchissement décisif sur le premier essai. Oui. C'est un garçon quand même qui a des COU en plomb. Oui. Franchement. Et comme beaucoup de mecs dans cette génération, on en a parlé en début d'émission, mais faut le souligner vraiment. Et après, alors même s'il a eu des erreurs, et encore une fois, notamment sur le jeu aérien, ça a été un petit peu difficile. Je trouve quand même que face au pied de Bigard qui a été monstrueux, la longueur au pied de Djaminé aujourd'hui nous a fait quand même beaucoup de bien à 2-3 moments, et notamment les pénaltouches qu'il a été trouvé de 50-60 mètres nous ont quand même permis de beaucoup souffler. Justement, quand tu dis la force de caractère de ce joueur, Melvin Djaminé, notamment Vincent Bissonnet qui était à Cardiff, qui suit l'USAP en top 14, dit quand même qu'il a quelques trous d'air, Melvin Djaminé. Est-ce que pour toi, c'est cette génération qui pousse un joueur comme ça à avoir cette force de caractère, à le rassurer sur le terrain et à peut-être à le sublimer? Est-ce que dans un effectif, ça manquait de respect au Perpignanais, mais qui joue le maintien à top 14 et qui sur le papier est souvent inférieur à celui qu'il a en face, est-ce que Melvin Djaminé, dans un jeu comme ça, d'avoir Romain Tamac, d'avoir Gaël Ficou, d'avoir Gabin Villière, ça le rassure sous les chandelles? Même si c'est lui, il y a des choix peut-être qu'il louperait, qu'il ne loupe pas en équipe de France, et c'est un groupe entier. Est-ce que pour toi ça fait la différence, ou alors c'est juste lui personnellement
qui est fort dans sa tête, qui efface vite ses petites bêtises en Écosse, même sa pénalité ratée, et voilà, il fait pas de conneries après. Est-ce que tu penses que c'est juste un effet de groupe, entre guillemets ? Non, je pense qu'il y a des deux, parce que quand on parle de lui, mais on pourrait parler d'autres garçons hein, qui ont le caractère assez similaire, mais moi, à l'USAP, effectivement, je l'ai vu avoir des hauts et des bas cette saison, mais ça ne l'empêche pas de tout le temps prendre ses responsabilités. Ce mec-là, il rate un truc, il y retourne, quoi. Et c'est très vrai de la plupart de ces mecs. Hein. Moi, on disait tout à l'heure, mais à Toulouse, je vois tous les week-ends des mecs comme Ramos, des mecs comme Ntamack. Ils ratent un truc, ils y retournent la minute d'après. Ça. Ce que disait Alexis Palisson tout à l'heure avec nous, ça leur glisse dessus. C'est très vrai pour Melvin Jaminet. Après, l'effet de groupe, il est évident. Oui. Il est évident. On a l'habitude tout le temps de dire une équipe avec ou sans Antoine Dupont. Par exemple, c'est un mec qui donne confiance, il rend les autres meilleurs autour. Ouais. Mais des grands joueurs, c'est ça. Ils rendent les autres meilleurs. Et effectivement, quand aujourd'hui tu joues à côté des Greg Aldrit, des Julien Marchand, des Antoine Dupont, des Jonathan Danty dans l'état où il était ce soir, ou Romain Tamac ou Gaël Ficou, mais évidemment que tu étais plus simple. Vous avez des monstres à côté. Les gens parlent vraiment beaucoup de la marge de progression de Melvin Jaminet quand même. Il souligne qu'il a fait quand même encore quelques erreurs ce soir sur les ballons hauts, qu'il n'est pas toujours rassurant, qu'on n'est pas toujours serein, et que même au pied, des fois, il peut avoir quelques errements. Il a été touché à la main droite quand même, l'arrière Perpignani. Il est resté sur le terrain, mais à la 20e minute de jeu, il a eu un gros bandage quand même. On a eu un peu peur, on le voyait grimacer et pas forcément serein. C'est vraiment pas pour voilà. Le défendre absolument. Non, mais t'as raison. Mais après, ils disent vraiment qu'il a une marge de progression. Il est très jeune, quoi. Il a jamais joué la Coupe d'Europe. Première saison de top 14. Évidemment, mais c'est ce qui est rassurant. Et en plus, à un poste où on a un vivier qui est dingue. Hein. On parlait tout à l'heure. On a un vivier qui est dingue. Une petite pensée pour Thomas Ramos, qui se contente de miettes depuis le début du tournoi, qui n'est pas rentré encore ce soir. Et pour Brice Dulin, qui se contente de rien, quoi. C'est... Ouais, mais... Oui, aussi, c'est vrai. Mais c'est vrai que, bon, je dis ça pour Thomas Ramos, parce qu'il est sur le banc depuis le début du tournoi, il fait 5 minutes par là, il rentre pas par-ci. C'est pas simple. Après, d'un autre côté, c'est dur d'enlever ton buteur, c'est dur d'enlever une longueur de jeu au pied comme Melvin Jaminet. Même si encore ce soir, il rate la pénalité qui peut nous mettre... c'est pour aller chercher. Ouais, mais c'est anecdotique, c'est à la 76e, on reste dans leur camp, on les oblige à la fin, parce que ça s'est bien passé, certes, mais... Ouais, mais cette pénalité, quand tu prends une pénalité de 50 mètres qui est décalée, tu sais que tu as des fortes chances de la rater. C'est vrai. L'important, à ce moment-là, c'est... Certes, si tu peux la mettre, tu prends un matelas, mais l'important, c'est de rester chez eux, quoi qu'il arrive. Pour les gens, ce qui est sûr, c'est qu'en tout cas, c'est vraiment le poste qui fait débat. C'est le poste, beaucoup le disent, qui a peut-être le plus d'incertitudes aujourd'hui, même si Jaminet est installé, on dirait, dans l'esprit de Fabien Galthié, mais ça peut quand même vite tourner en faveur de Thomas Ramos au Brésil. Pourquoi il serait pas installé, Melvin Jaminet, il a une peut-être parce que c'était Boutier le premier tournoi, c'était Dulin le deuxième, et c'est Jaminet le troisième. Ok, mais les derniers tournois, c'est pas méchant, ils ont pas fait les grands chelems, ils dominaient pas comme ils dominaient cette année. Les Français, ils avaient pas gagné en Australie avec une équipe bis. Avec un joueur qui est arrivé de Perpignan que 6 mois avant, sans être méchant, on ne savait pas trop qui c'était. Enfin, je suis désolé, mais je ne vais pas défendre à fond Melvin Jaminet. Non, mais là où il ne fait pas des matchs parfaits. Là où tu as raison, c'est qu'en plus de l'avoir installé, ils lui ont quand même donné la responsabilité des tirs au but, c'est pas rien. Oui, j'imagine pas Fabien Galthié enlever Melvin Jaminet aujourd'hui, évidemment, mais même après le tournoi. Je pense qu'il va grandir hein, Melvin Jaminet sur ce tournoi. Il aura vécu des moments durs, mais il va grandir. C'est peut-être de la réussite aussi. La réussite qui porte le 15 de France, c'est qu'il la suit. Mais Melvin Jaminet, il a jamais fait de bourde qui ont coûté un essai après. Est-ce que c'est pas son jeu au pied justement qui le vraiment maintient le premier essai, Max. Non, certes, mais ça reste un mec qui a une vitesse de dingue. Sur tous les matchs, sur ce tournoi-là. Heureusement qu'il maintient, parce qu'aujourd'hui, il trouve des pénaltys de 50 mètres à chaque fois. Oui, mais est-ce qu'il a vraiment beaucoup d'autres choses dans le jeu qui font que c'est le meilleur arrière français aujourd'hui sur les ballons, sur le premier essai. Il a des cannes de fou. J'avoue, je suis un grand partisan de Brice Dulin. Oui, on l'a compris. Voilà, mais si on l'avait sous les ballons, moi, je bégayerais sous aucun ballon haut, quoi, en fait. On serait serein, on aurait un gaucher dans l'équipe. Oui, mais c'est pour lancer le débat. Ils apprécient énormément aussi la longueur de jeu au pied de Jaminet. Ouais. Ils apprécient que ce mec-là ait des cannes quand même. Il y a peu d'arrière qui ont la vitesse de course de Melvin Jaminet. Je ne vais pas parler à la place de Fabien Galthié. Mais c'est le débat qui est intéressant. Mais j'ai l'impression qu'on débat sur ce poste parce que les autres sont tellement intouchables qu'on a envie de trouver un poste où on se dit, peut-être que... avec 6 mois, peut-être que ça aura bougé. On veut de la nouveauté. Jaminet, il a jamais fait un 8 sur 10 en équipe de France. Il fait toujours des 5 ou des 6. On va pas se mentir. C'est vrai. J'ai l'impression aujourd'hui qu'il s'il y a deux postes qui peuvent être remis en cause, c'est celui d'arrière et celui de pilier droit sur la distance. Parce que même si Winnie Antonio a gagné sa place, on sent que dans l'esprit du staff, Mohamed Awa, c'est quand même pas très loin. On va en parler dans quelques minutes. Mais il n'empêche, aujourd'hui, Melvin Jaminet, il vient d'enchaîner encore une titularisation. Il était titulaire les 3 matchs en Australie. Il était titulaire les trois matchs en novembre et il va être titulaire les 5 matchs du tournoi. Ça fait 11 titus d'affilée. Et c'est pas méchant. C'est le numéro 1 dans l'esprit de Fabien Galthié, c'est une certitude. Voilà, et puis à la tournée au Japon, et je pense, ça va être méchant, mais Perpignan, il joue le maintien, il sera sûrement de la tournée au Japon.
Enfin, je vois pas comment on peut. Quand on dit qu'il est installé dans la tête de Fabien Galthié, j'espère quand même déjà que Mamie Djaminé est installé parce que. Non, mais il est, ça c'est sûr qu'il l'est. Bah, il l'est, mais pourquoi il serait désinstallé surtout moi, ça oui, pour, mais ce que je dis, c'est après, que. C'est long, hein. C'est jusqu'en 2023. C'est long, hein. On passe tous à la Coupe du Monde. On se dit forcément qu'on se dit que l'équipe là sera peut-être pas la même face à la Nouvelle-Zélande en 2023. Mais je suis surpris parce que les gens vraiment. Moi, je pensais vraiment que c'était Djaminé, un joueur qui avait la cote et qui serait défendu. Tu vois, dans le chat, vraiment, les avis sont plus. Non, sont moins dithyrambiques. C'est surtout Brice Dulin qui a la cote et Thomas Ramos. Non, les gens le mentionnent pas trop. Ils parlent vraiment de Djaminé, de sa progression, de son jeu à lui. Ils le mettent pas trop en concurrence. Mais parce que c'est le joueur qui, pour l'instant, on va dire, réalise le tournoi peut-être le plus mitigé. Voilà. Depuis le début, même si aujourd'hui il nous sort une prestation plutôt solide. Oui, mais moi je trouve qu'il est mitigé parce qu'on le voit beaucoup aussi. Parce que moi quand je vois. Parce qu'il se cache pas, hein. C'est pas du tout méchant, je pense. Mais bon, aujourd'hui, Gaël Ficou, il fait tout le temps le boulot, il traverse pas le terrain. Voilà, Jonathan Danti à côté, il prend beaucoup plus la lumière que Gaël Ficou au sein du terrain. On sait que Gaël Ficou, c'est le patron. Bien sûr que c'est le patron. Quelle efficacité, Ficou. Mais bien sûr, quelle efficacité, mais on lui demande pas de. Je veux dire, Djaminé, il est exposé face au poteau déjà. C'est il bute, qui là c'est le demi-mêlée remplaçant là, qui veut à un moment essayer de mettre un 4 deb à Ficou en première mi-temps. Oui, mais ça, il s'est trompé d'adversaire. Je ne suis pas du tout méchant vers Gaël Ficou, qui est indétrônable en équipe de France. Mais aujourd'hui, Djaminé, tu le mets face au poteau, forcément, il peut louper les poteaux déjà si tu le mets en face. Enfin, il est beaucoup plus exposé. C'est un arrière, c'est le buteur. Non, mais sur le jeu au pied en Écosse, autant on peut vraiment disserter sur les ballons hauts. Il a été défiant là-dessus, même si peut-être qu'il n'a pas été assez protégé par moment, c'est vrai. Possible. Mais sur les tirs au but, moi je ne vais pas l'incriminer. J'y étais à Édimbourg et je peux vous dire que le vent au ras du terrain était terrible. Et d'ailleurs, les Écossais n'ont pas pris beaucoup de pénalités, comme par hasard. Mais tu vois, vu que ça continue à faire débat. Ça continue encore. Les gens en parlent, il y a une bonne question et une bonne remarque. Bon, ce n'est pas encore officialisé. Peut-être que Djaminé ne rejoindra pas le Stade Toulousain, mais s'il le rejoint et qu'il se retrouve en concurrence avec Thomas Ramos tous les week-ends, qu'il commence à avoir peut-être moins de temps de jeu. On peut le voir dans les deux sens, on peut se dire il va jouer au Stade Toulousain, certainement des phases finales, des matchs de Coupe d'Europe très importants, il va engranger l'expérience, mais il va peut-être aussi moins jouer, avoir moins de responsabilités. Qui est Melvin Djaminé. Melvin Djaminé, ouais. Et peut-être que ça va changer dans l'esprit du Stade. Et pourquoi ils ne seraient pas tous les deux sur le terrain? Mais bon, on ne va pas parler du Stade Toulousain, on est là pour parler de l'info. Jérémy Fada va peut-être intégrer le staff du Stade Toulousain. Non, parce que les gens le disent. Non, mais j'ai... Bon, bref. J'ai déjà vu Gomola jouer avec deux arrières sur le terrain. C'est vrai. On verra. C'est dans de nombreux mondes, c'est déjà pas encore si Melvin Djaminé va signer à Toulouse. Voilà, c'est pas de la science-fiction, mais presque. On a assez parlé, alors peut-être que vous voulez encore parler de Melvin Djaminé. Je sais que je l'ai défendu. Vous voulez m'enlever Melvin Djaminé du KSV? Non, loin de là. Vas-y, tu veux parler de qui? N'exagérerai, mais non, mais j'ai l'impression, je l'ai déjà dit, mais il y a beaucoup de négatifs. On a parlé de Winnie Antonio. Pour clôturer cette partie note, Winnie Antonio 3 sur 10. C'est dur. Alors, je trouve ça dur, moi aussi. Il ne méritait pas non plus 7 sur 10, hein, notre ami Rochelet, on est d'accord. Mais Winnie Antonio, 3 sur 10, Jérémy. En tout cas, il a été sanctionné par le staff. Alors, on ne sait pas si c'est sanctionné ou pas, parce qu'on s'attendait presque à le voir rentrer. Il n'est pas rentré. Ouais, il n'est pas rentré. Donc, après, est-ce qu'il y avait des certitudes? Peut-être que Paul Willems a dit. J'ai pas non, il a vécu une fin de première mi-temps difficile en mêlée. Oui, il a été pénalisé en mêlée, il me semble. Ouais, à la fin de première mi-temps, on l'a senti quand même tirer la langue en fin de première mi-temps, ce qui était déjà vrai en Écosse. Ah. Et c'est des choses qu'on voit pas forcément devant la télé, mais moi j'étais en Écosse en tribune et on avait vu déjà Winnie Antonio en fin de première mi-temps qui avait beaucoup de mal à se replacer et qui avait été remplacé d'ailleurs assez tôt en deuxième mi-temps. La fin de première mi-temps là ce soir, c'est il y a une séquence de jeu à un moment donné qui dure 3-4 minutes, coup de pied, accélération. Je pense que là complètement carbo. Oui, mais ouais, complètement donc je pense, carbo. Nous, lui, pas... pourquoi il le serait et les autres non? Enfin voilà, c'est toujours pareil. Parce que j'ai il y a quand même 3 autres piliers sur la pelouse. Mais sans lui faire offense, il a une caisse qui est inférieure à certains autres joueurs. Oui, mais là, c'est ton poids et le mien réunis quoi. Mais oui, mais je pense qu'il travaille pour ça. Mais aussi. Mais je crois aussi sincèrement que le staff a pas complètement lâché l'idée que Mohamed Awas pouvait être un potentiel numéro 1. Mohamed Awas, il a eu ses déboires extra sportifs, voilà, son procès, c'est réglé, etc. On va dire. C'est réglé. Il revient dans le groupe d'abord comme numéro 3. Là, il est passé numéro 2. Là, il rentre à la mi-temps. On a l'impression quand même que c'est pas réglé. Ce poste de pilier droit. Il est peut-être pas si réglé qu'on le croyait il y a 2-3 semaines. Regarder. Ça fait un quart d'heure qu'on débat sur le poste d'arrière et le poste de pied droit. Ça va peut-être tout dire. Où on se dit, forcément. Tiens, il y avait un papier dans Midi Olympique vendredi sur allez, peut-être deux postes en balance, arrière et pilier droit. Mais pilier droit, on sait très bien que. Et quand je vois, il y a des Babamba qui étaient en costume, les gars, ce soir. C'est clair. Enfin, n'oublions pas, quand on parle de réservoir français, tu te dis, tu vois, bien sûr qu'il était heureux à la fin, mais t'as envie de dire.
Moi, je n'ai pas fait tâche sur le terrain. Et d'ailleurs, quand même, Mohamed Awas, mis à part sa passe un petit peu ambitieuse, c'était pour Movaka, mais sinon, il fait quand même une entrée sérieuse. Et notamment, il a amené sa densité physique qui nous fait quand même beaucoup de bien. Et dans un match où justement on n'avait pas Taofi Fenua à partir de l'heure de jeu, je pense que cette masse de Awas pouvait nous faire du bien. Ce que je reprocherais peut-être un peu à Mohamed Awas, c'est ça. Bien sûr, il a énormément de puissance, mais il a beaucoup moins de mains que, par exemple, bon, on va dire Cyril Bay, on n'en a pas parlé, mais Cyril Bay, c'est le meilleur gauche du monde aujourd'hui, donc on va pas le comparer même à lui. Antonio, hein. Oui, voilà, il a moins de mains. On a vu peut-être qu'il a un peu forcé à Movaka, peut-être dire il faut que je fasse jouer. Ouais. Ça n'a pas marché. Parce d'ailleurs, que Movaka connaît ça, moi. Pas. Ben ouais, voilà, peut-être que Movaka, c'est comme tout. Quand tu as Cyril Bay, tu te dis il va peut-être me la faire. Quand c'est Mohamed Awas, sans être méchant, on se dit peut-être qu'il va aller au sol et qu'il va préférer. Il aurait dû garder le ballon, le Montpellier. Là où tu as raison, j'ai vu une stat juste avant de venir à l'émission. Cyril Bay, 4 offloads sur le match. Oui, le joueur qui a fait le plus d'offloads sur ce match. Mais il est pilier gauche. Quoi. Non, mais c'est le meilleur. Ça, par contre, je suis d'accord, Jérémy, mais je pense qu'il m'a Marchand et Willem C en haut du monde, je pense qu'il me mettra Cyril Bay en haut du monde. Ah oui, il a compensé tout le monde en mêlée pendant quand même 30 premières minutes à Tonio. Mais oui, je trouve le 3 sur 10. Alors, on le répète, bien sûr que Vincent Bissonnet, Nicolas Zanier étaient au stade. On voit peut-être pas les mêmes choses non, mais on peut, voilà, du on peut stade. Être en désaccord on peut avec être en désaccord avec eux. 3 sur 10, je trouve ça très sévère. Pour ne rien vous cacher, avant l'émission, on a reçu les notes. Quand j'ai vu 3 sur 10, là, je me suis dit, waouh, là, ils l'ont pas loupé à notre ami Winnie Antonio. Mais bon, voilà, ils ont leurs arguments. Mais oui, c'est vrai que. C'est vrai, c'est un poste quand même. Il y a Demba Bamba qui est en costard, quoi. Voilà, c'est juste pour vous le dire comme ça. Qui manifestement n'a pas donné totalement satisfaction Demba Bamba. Faut croire. Mais moi, j'ai du mal. Si on se projette un peu et si on fait petit pari pour la suite, moi, j'ai du mal en 2023 à pas avoir Demba Bamba avec un statut de finisseur. Mais ça, c'est parce que tu auras les stats de la grande mêlée. Mais c'est parce que je suis un joueur. Voilà, mais oui. Non, mais Demba Bamba, c'est un garçon ultra sérieux qui fait partie du projet, qui est là et qui restera, mais peut-être que on est en droit d'en attendre un petit peu plus. Ouais. Voilà, ce mec, il aurait dû peut-être révolutionner le poste et s'imposer, mais alors de manière éclatante, et c'est pas le cas. Et aujourd'hui, d'ailleurs, quand il est utilisé, il est davantage utilisé en impact player, fin de match. Non, mais c'est surtout pour dire qu'on a l'impression que c'est Awas ou Antonio avec le numéro 3 et que c'est Demba Bamba et coltiné un rôle de remplaçant. Au mieux. Non, mais au mieux, parce qu'aujourd'hui, il est ni remplaçant ni titulaire, il est hors groupe. Donc, je me dis, pour moi, si c'était que moi, je mettrais Demba Bamba tout le temps en remplaçant. Parce que ce joueur, il casse tellement de placage, il fait tellement de différence quand il rentre, c'est le pilier moderne. Si on dit que Mohamed Awas n'a pas trop de mains, Demba Bamba, il en a. Aujourd'hui, prévise de formation aussi, c'est un petit plaisir pour toi, Jérémy, tu aimes le souligner. Tout à fait, je pense que le staff du 15 de France vous laisse rassurer aussi sur la mêlée, même sur le banc. Et ça explique la présence d'Awas dans les 23. Oui, c'est sûr. Voilà. Je crois qu'on tient la meilleure blague de la soirée dans le chat. Celui qui a mis la note à Antonio doit passer une demi-heure avec lui dans un placard. C'est vrai que ça ne doit pas être un grand moment. Déjà, il pourra pas écrire. Alors après, c'est un mec qui est très drôle, Antonio. Donc s'il est de bonne humeur, ça peut être un bon moment. Hein. Oui, mais bon, ça, il va faire chaud. Non, mais c'est vraiment, ça fait débat. Hein. Cette note, les gens la trouvent sévère. Bah oui, c'est comme les notes, c'est subjectif. Mais pensez à ces piliers gauche gallois qui voient sortir Winnie Antonio pour faire rentrer Mohamed Awas. Et qui regarde, sortant du stade, voit Demba qui est en costume. C'est pas lui. Il a pas joué. Encore une fois, la fin de première mi-temps est dure de Winnie Antonio. Et s'il sort, c'est pas pour rien. Parce qu'on n'était pas dans le vestiaire. Peut-être pendant un quart d'heure, il a baissé les yeux. Winnie Antonio, il était complètement cramé. Et là, le staff se dit bon, mais on peut pas repartir avec un joueur, on va dire, crevé comme ça en seconde période. Il y a un qui est sorti il est rentré. Wyn Jones qui était une pointure au poste de pilier gauche qui est passé un mauvais moment sur le papier, certainement le meilleur pilier gauche du monde avec Cyril Bay, mais ils sont deux. un peu moins ces derniers temps et on l'a vu aujourd'hui quand même, il a pas non plus révolutionné le monde. Et justement, on parlait des Gallois, de la défense, mais les Gallois, ils ont souffert physiquement. Un premier mi-temps, on va peut-être sauter à la troisième partie directement. Non, mais c'est le vrai constat de ce match. Physiquement, on a été beaucoup plus impactant que les Gallois. Et d'ailleurs, la petite déception, elle peut venir de là, c'est que moi, je nous ai trouvé très supérieurs, notamment dans les défis physiques, pendant une demi-heure. Et en plus, grâce à cette supériorité, on a réussi aussi à mettre de la vitesse. On a franchi, on s'est créé des occasions en première mi-temps, on met un essai. Oui. Et je pense que de ne pas avoir réussi à creuser un écart plus conséquent au bout d'une demi-heure, c'est ce qui a laissé les Gallois dans le match. Alors que cette première demi-heure, on doit,
pas tuer le match, mais pas loin. C'est la première fois qu'on n'est pas meurtrier comme on l'a toujours été. Non, mais c'est ce qu'on disait. On en parlait avec Jérôme Primo notamment, qui était à côté de moi. On dit les Gallois, ils avaient le ballon, ils reculaient de 20 mètres. Les Français, ils avaient le ballon, ils avançaient 40 mètres. Enfin, tu te disais, t'avais l'impression que c'était hyper facile et que c'était frustrant parce qu'ils marquaient pas de points. Ils restaient à 4 points, ils étaient à 7 points. Après, petit à petit, ils sont revenus pour finalement se retrouver avec un point, seulement un point d'avance à la mi-temps. Tu te dis. C'est le traquenard, il y avait un manque d'efficacité cruel et tu te dis au Principality Stadium ça peut coûter cher quand même. Ouais, mais tu voyais pas comment t'allais encaisser des points non plus, à part sur. Mais au rugby, le ballon il est ovale, sur un mauvais rebond et puis. Voilà, et puis il fallait que le ballon rebondisse, il fallait absolument qu'il rebondisse. Parce avec en première main. Il aurait pu rebondir le ballon. Parce qu'en première main, ils n'auraient jamais rien fait. Quoi. Après, c'est la preuve aussi que même dans un match pas totalement maîtrisé, même dans un match. Où on trouve beaucoup de choses à redire, et je le répète, même si vous n'étiez pas forcément d'accord début d'émission, il y a une vraie supériorité française. Oui, et c'est ce qui prouve déjà l'équipe qui avance à ce sport, quand même, on peut faire tous les réseaux du monde, l'équipe qui avance, elle gagne quand même dans 95% des cas. Et aujourd'hui, l'équipe qui avançait, c'était l'équipe de France. Mais non, mais justement, j'ai envie de rebondir sur ce que tu dis. Elle avançait, elle dominait, mais elle gagne de 4 points. Donc forcément, c'est qu'il y a un problème d'efficacité quelque part. Ouais, sûr, mais tu sais, la note artistique, elle n'existe pas. Hein. Non, mais sûr que non. Donc à la fin, les 4 points, mais ils sont là. Hein. Je le dis et je me lance aux Français qui peut-être après le discours de Femme Égalité nous écoutent, c'est un mi-temps du middle. Si vous pouvez mener de 15 points à la 60e minute contre les Anglais, qu'on puisse commencer à célébrer, on sera un peu plus tranquille quand même. Parce qu'on s'est dit... Non, mais on a vécu une fin de match à suspense, c'était génial. Est-ce que t'aurais éclaté de la même manière quand je lance à taper le ballon en tribune? Non, mais si c'était peut-être un autre joueur, j'aurais moins éclaté. Non, j'égole, mais ce que je veux dire, c'est que on va pas réveiller les vieux démons, mais ces matchs-là, on sait que tu te dis, l'équipe de France, ils ont tellement perdu, quand ils gagnaient de 4 points, ils en perdaient. Tu te dis, à tout moment, t'aimes pas retomber dans les trucs, tu te dis, vaut mieux assurer. Bien sûr que les joueurs, ils peuvent pas mettre 50 points à tout le monde. T'as peur sans avoir peur, on est tous là, on se dit, ah peut-être que, mais on voit pas ce qui peut nous arriver. Quand ils font la passe au pied et qu'ils ont plus qu'une passe à faire, en avant. Mais il peut tout arriver. Mais moi, je te rejoins sur un point, c'est que ce match-là, on aurait peut-être dû le tuer avant et qu'on en a perdu, sous l'air Galtier, plusieurs comme ça, à ne pas savoir tuer les matchs. N'empêche, celui-là, on l'a pas perdu. Oui. Et j'en reviens à une chose qui, pour moi, est hyper importante et certainement le virage de l'air Galtier, c'est cette victoire contre les All Blacks. Je pense vraiment qu'elle change l'histoire de ce 15 de France et que depuis cette fin de la tournée de novembre, c'est plus la même formation, c'est plus la même équipe et elle est habitée aujourd'hui par une mission qui est d'aller remporter des titres. Et le premier titre qui se présente, c'est ce tournoi destination, c'est ce Grand Chelem. Et je crois qu'aujourd'hui, cette équipe, elle a grandi, elle a quand même plus de vécu commun, plus d'expérience et elle sait mieux maîtriser ses fins de match, plus de profondeur, un meilleur banc de touche, etc. Et ces matchs-là, preuve en est, on ne les perd plus. C'est sur quoi je voulais rebondir cette troisième partie, c'est que on gagne en Écosse, on leur met 40 points. On gagne l'Irlande, alors on est un peu stressé. On gagne au Pays de Galles. On a l'impression qu'avec cette équipe de France, je vois pas ce qui peut nous arriver. Mais non, mais voilà, tu gagnes. Et t'as l'impression que là, on est en train de dire non, mais on gagne au Pays de Galles. Attention quand même. Oui, on se voit peut-être un peu. Mais bien sûr que oui. Mais ce que je veux dire, c'est que tu gagnes au Principality Stadium. On trouve des choses à redire. Enfin, tu gagnes à Cardiff, t'as l'impression que partout où ils vont, ils gagnent. Chaque match où ils sont attendus, ils gagnent. La question, c'est comment on peut te battre, en fait. Moi, c'est la réponse que j'ai. Avec des chandelles sous les poteaux, peut-être. Mais même pas, on l'a vu ce soir. Une équipe comme l'Irlande, qui avait la possession tout le temps, qui nous attaquait, qui est très forte dans le jeu en première main, tout ça, on les a quand même bien défendus. Ils nous ont laissé ça, on leur mettait 5 points à chaque fois. Il veut juste placer qu'il était au stade pour passer. Alors, déjà, pour moi, premier élément de réponse, c'est la palissade que je vais dire, mais. Aujourd'hui, c'est pas un hommage à notre invité. Les 4 premiers matchs, sur les 4 premiers rendez-vous de ce tournoi, on a dominé la guerre au sol. Et je pense que l'équipe de France, déjà pour la battre, il faut vraiment lui faire plus la bataille au sol. Il faut savoir embêter un petit peu plus ce poison qu'est Antoine Dupont. Oui. Parce que, notamment, on l'a vu, Antoine Dupont avec le Stade Toulousain, ça a beau être un joueur exceptionnel. Quand son équipe est dominée au sol et recule dans les rucks, c'est plus le même joueur et c'est logique. Donc, cette guerre du sol aujourd'hui, elle est absolument décisive. Et là-dessus, je pense qu'on a de l'avance sur les autres nations. Après, il faut être honnête, aujourd'hui, on a le plus grand potentiel du rugby européen. Européen, et plus qu'européen à mon sens, mais on a encore besoin d'affronter les Springboks. Oui. On va les affronter en novembre prochain, ça tombe bien. En tout cas, si on veut des chandelles sous les poteaux et des chandelles tout le match, affronter les Springboks, c'est une excellente idée. Voilà. On le dit, non mais. Tire à leur dire aux Springboks. T'as un placard avec Antonio et Ibenet Sebet, y a pas de souci, je ferai l'émission de là-bas peut-être, s'il y a un peu de réseau Wi-Fi, je tenterai de les faire intervenir. Non mais, bien sûr qu'il faut jouer les Springboks, mais. Tu gagnes en Australie, je le dis, mais tu gagnes en Australie avec une équipe bis. Enfin, bis aujourd'hui, il y a des joueurs qui ont gagné leur place. Danty, Jolange, Woki, tout ça. On se dit que c'était peut-être plus une équipe trop bis. Mais tu gagnes en Australie, tu t'as gagné.
Il n'y a qu'en Angleterre où tu n'as pas gagné. Bon, tu ne gagneras pas cette année puisque ce sera en France. Et tu perds deux fois la dernière minute. Mais oui, tu perds. Enfin, c'est quand même. Oui, avec une équipe bis aussi. Enfin, tu te dis, mais il y a un match, tu commences le match, tu te dis, mais on va gagner quoi. Enfin, tu regardes, tu te dis, mais qu'est-ce qui peut nous arriver. En 10 minutes, il marque un essai, tu as un lancement de jeu. Villiers, s'il ne saute pas pour Moefana qui fait la passage à Minet, tu as marqué un deuxième quasiment. Tu te dis, mais ces mecs-là, ils ont de l'or dans les mains et ils font ce qu'ils veulent avec le ballon. Puis les mecs en face, ils peuvent rien faire, quoi. Ils ont qu'à regarder. Après, avant les Springboks en automne, il y a peut-être le test de samedi prochain. C'est un vrai test quand même. C'est la première fois qu'il y a un match chez nous. Il y aura 80 000 personnes, il y aura des millions de gens devant leur télé. Il y a un titre à aller chercher, un grand chelem qui plus est. Un match qui ressemble dans sa physionomie, ça ressemble beaucoup au France-Nouvelle-Zélande de novembre. Ah ouais, je le trouve encore plus fort. Mais là, j'ai envie de vous dire, justement, ces matchs-là, moi, je suis pas du tout inquiet avec l'équipe de France. Aujourd'hui, le match ce soir me faisait plus peur que le match contre l'Angleterre. Je ne sous-estime pas du tout l'Angleterre, je ne sais pas ce qu'ils feront demain contre l'Irlande, et même si les Anglais ne m'ont pas impressionné depuis le début du tournoi, mais des matchs comme ça, tu vois une génération qui va arriver, qui va dire ouais, bah, on va les regarder dans les yeux, les Anglais, on va... Heureusement. Mais non, mais c'est même pas ça, c'est qu'on va jouer notre jeu, et puis j'ai l'impression qu'en France, il ne pourra rien leur arriver, et j'espère qu'on va m'entendre et que la réussite sera avec les Français. Mais si, on va demander au chat si j'ai envie de vous dire que si on met les choses dans l'ordre et si on fait le match attendu, si cette équipe de France joue à son niveau, elle remportera le Grand Chelem. Après, une déconvenue, ça arrive. Il y a deux ans, c'est écroulé en Écosse. Mais bien sûr, c'est aujourd'hui un carton rouge. L'an dernier, ça a été pareil. Carton rouge. Mais encore une fois, on a ce vécu qu'on n'avait pas il y a deux ans en Écosse, qu'on n'avait pas l'an dernier dans le tournoi avec cet épisode Covid qui est venu un petit peu. On a aujourd'hui, en plus de toutes les ressources dont tu parles, parce que je rappelle juste qu'il nous manque quand même. Aujourd'hui, on n'avait pas Damien Penaud, on a Arthur Vincent qui est à la maison. Enfin, je veux dire, on n'a pas tous les mecs qui sont là. Et pourtant, on se permet de renvoyer Brice Dulin, Virimi Vakatawa, tout ça en club. C'est une anecdote, Charles Olivon, tu l'as pas cité. Charles Olivon, qui est titulaire demain à Montpellier avec le Rugby Club Toulonnais. Donc voilà, Charles Olivon, le capitaine. Il y a cette profondeur d'effectif, mais il y a aussi tout ce vécu commun, tout ce bon boulot qui a été fait de la part du staff du 15 de France et de l'ensemble du rugby français. Voilà, les rassemblements à 42 joueurs, pouvoir travailler à haute intensité. Le staff, il travaille en ce moment sur du velours et il travaille très bien. Avec en plus une génération de dingue. Tous les voyants sont ouverts, évidemment. Non, mais moi je suis d'accord. Pour moi, ce match contre l'Angleterre, je vais le regarder et je vais me dire, mais il pourrait nous arriver, quoi. Et vous le verrez de près. J'ai déjà dit, mais parce que je vous envie. Mais on vous invite tous. Vous le verrez de près, ce match. Et on espère. Déjà, s'il y a tournoi, il y a grand chelem déjà. L'autre bonne nouvelle, et Max était il n'y a pas très longtemps aussi au Stade il de France. Max, vas-y. L'autre bonne nouvelle, vraiment, c'est que depuis cette tournée de novembre, alors je pense qu'il y a plusieurs facteurs qui expliquent ça, c'est que le Stade de France n'est plus du tout le même stade. Ah ouais. Mais plus du tout. C'est-à-dire que moi, j'ai fait mes 12 ou 13 ans de Stade de France. Je peux vous assurer, il y a eu des fois même des grands matchs du 15 de France. Les ambiances étaient c'était mitigé, ça s'est évaporé, c'était pas. Alors aujourd'hui maintenant, ils ont mis quand même un vrai rituel en place, notamment sur les avant-matchs où il y a un petit peu plus le feu, de la musique, donc on chauffe le public. Et je crois aussi que l'autre facteur hyper important, c'est que cette génération, elle a su ravager le cœur des Français. Voilà. Il y a des et aujourd'hui, on peut le dire, il y a des chouchous quand même. Ouais, mais même ils gagnent déjà. Ils sont séduisants. Ils sont jeunes. Ils jouent bien. Ils font naître plein d'espoir. Il y a France 2023 qui arrive, que tout le monde a dans la tête. Et je pense vraiment que le Stade de France le week-end prochain va être. Je sais pas si on peut dire un chaudron, mais il va être en transe. Et tant mieux pour les joueurs. Il y a tout pour avoir une fête extraordinaire. Non, mais et puis j'ai aussi. Ils sont la définition aussi de l'humilité, j'ai l'impression. T'as des mecs, moi je vois des Grégory Aldrit, tout ça, Anthony Jelonche, Anthony Dupont, c'est des mecs, ils ont la tête sur les épaules quand même, et t'as l'impression qu'ils font le boulot, et puis c'est leur talent qui fait la différence, ils sont là, ils font leur match. Et c'est vrai que les supporters, j'ai l'impression, cette équipe, elle donne envie de la supporter quand même. Il n'y a pas d'extra sportif, bien sûr, on a parlé de Mohamed Awas, mais c'était hors équipe de France. Mais il n'y a jamais eu d'extra sportif, quoi. Il n'y a jamais des infos qui viennent polluer le groupe, qui viennent tout ça. Et tu te dis, cette équipe, elle marche dans la sérénité, dans la victoire, et rien ne peut lui arriver quasiment. Les gens sont moins sereins que nous. Ça m'étonne. Parce qu'ils sont prévoyants, ils se préparent là. Ils ont perdu du coup de karma. Bien sûr, vous avez perdu du karma. Mais c'est vrai que le fait que ce soit les Anglais qui auront certainement, c'est pas sûr, mais on verra demain le résultat, mais qui auront peut-être encore un tournoi à gagner et qui pourraient venir en France, nos amis
amis anglais nous empêcher de gagner le tournoi et de faire le Grand Chelem. Oui, on parle des mêmes anglais qui sont venus se faire taper il y a deux ans en sortie de finale de Coupe du Monde au Stade de France. Ils ont gagné le tournoi cette année-là. Ouais. Ouais, mais ils s'étaient fait taper. Oui, bien sûr. Il y a l'Écosse. On ne reprendra pas le match en Écosse. Des finales, ces Anglais, ils en ont joué plus que nous, je pense. Tu vois, des finales comme ça. Bah, après, ouais, mais c'est pareil. Il faut dire aussi que c'est une équipe qui a entamé sa mutation là, oui, depuis 6 mois que nous on a fait depuis 2 ans. Oui. Parce que vous prenez quand même la finale de la Coupe du Monde, mais et vous prenez l'équipe d'Angleterre aujourd'hui, elle a été renouvelée à plus de 2/3, je pense. Les frères Vunipola, les Underhill, tout ça. On a donné les clés à Marcus Smith, voilà. Donc c'est vrai, charnière. Et puis, sincèrement, on va pas parler un peu de l'Angleterre, mais moi, Max Malins, c'est Freddy Stewart, tout ça, qui sont titulaires depuis le début du tournoi. Excusez-moi, il faut ça Damien Penaud, Melvin Jaminet, tout ça. Enfin, je suis sur le papier. Bon, je me dis. Max. Non, moi, je suis sûr. Mais s'emballe tous sur Marcus Smith. Cameron Wauke, Romain Tamak et tout, ils l'ont battu en finale de Coupe du Monde en 2018 avec les moins de 20. C'est vrai. Voilà, ils n'ont pas peur, ils font pas de complexe. Les auditeurs l'avaient dit, je suis serein. J'avais dit qu'on avait un peu surcoté l'Irlande et l'Écosse face à la France, où on avait vachement peur de ces équipes. Je trouvais qu'on avait un peu surcoté les Gallois. Au final, on a eu plus peur qu'on les Gallois que qu'on les autres. Je crois pas qu'on avait surcoté l'Irlande. Moi, j'ai trouvé, notamment, j'ai trouvé une grande Irlande contre nous, oui. Mais j'ai trouvé une immense équipe de France ce jour-là. Ben, peut-être. Je vais pas le dire 15 fois, mais je pense que notre match référence du tournoi destination, c'est vraiment le France-Irlande. Oui, mais c'est sûr. Après, on savait que c'était la finale à valeur. Match énorme. Mais peut-être qu'on est trop confiant. On verra si. J'espère qu'on aura raison dans notre pronostic. Mais non, mais il nous donne envie d'être confiant aussi cette génération. Oui, mais c'est ça. Qu'est-ce qu'il franchement. Non, mais on est objectif quand même. Fais-moi objectivement, je me dis que la France va gagner l'Angleterre. On est quand même favori. Mais bien sûr que oui. Alors, moi, je peux vous dire une chose, c'est qu'on est exigeant avec eux, mais parce qu'ils méritent qu'on le soit, mais ils le sont aussi. Les mecs, ils ont beau dire ce qu'ils veulent, je peux vous assurer, pour les côtoyer un petit peu, ils ont ça dans le crâne de gagner un titre depuis 2 ans. Et là, c'est une obsession d'aller remporter ce tournoi destination. Je vais vous lancer une question à vous deux. Il y a encore des questions. Non, mais je vais la lancer au chat en même temps. Je ne l'écris pas cette fois, mais je la dis et je vous la pose en même temps. Ça va les laisser réfléchir. C'est une déception si on ne gagne pas l'Angleterre. C'est vraiment une déception si on ne gagne pas ce tournoi-là. Si on ne gagne pas le tournoi, c'est pas une déception. Ah, c'est pas une déception. Une énorme déception. Si on ne gagne pas le tournoi, c'est un échec. Mais c'est une énorme. C'est pas une déception, c'est un échec. C'est un énorme échec. Si on ne gagne pas le Grand Chelem, c'est une déception. Mais alors, si on ne gagne pas le tournoi, c'est un échec. Ça voudrait dire. Évidemment, si on gagne pas le tournoi en 4 matchs et tu reçois l'Angleterre à domicile. On sait très bien, on dit toujours le calendrier, les années paires, c'est favorable. On reçoit l'Angleterre et l'Irlande, on se déplace au Pays de Galles et en Écosse. Bon, on reçoit l'Italie, ça manquait de respect aux Italiens. Bon, voilà, on sait que c'est le match un peu le plus facilement. Mais. Bien sûr, c'est un énorme échec parce que s'il n'y a pas de tournoi, ça veut dire défaite contre l'Angleterre à la maison déjà. Donc, c'est les Anglais qui viennent nous taper. Ça veut dire peut-être aussi que l'Irlande, s'ils viennent à gagner demain en Angleterre ce samedi et qu'ils ont gagné l'Écosse, nous passera devant. Enfin, c'est un énorme échec pour cette génération qui répète depuis des semaines qu'il faut gagner des titres. Antoine Dupont le disait avant le match que remporter le tournoi, ça les poussait forcément. Ils veulent gagner ce tournoi. Ah, ce serait un énorme échec parce qu'il y aurait défaite face aux Anglais. Les Anglais nous regarderaient avec un petit sourire narquois comme ils savent faire. Ce serait un énorme échec. Good game. Sorry, good game. Sorry, good game. Ouais. Non, on saura leur dire à la fin du match. La physionomie du tournoi fait qu'aujourd'hui. Ouais, oui. Je pense sincèrement que la France était favorite avant même la première journée, même oui, si eux déjà, voilà. S'en défendaient. Mais aujourd'hui, c'est même plus favorite. Elle a quand même maîtrisé ses 4 premières journées. C'est ça qui est beau avec ce scénario, c'est qu'il peut être aussi autant catastrophe qu'incroyable. Mais à partir du moment où on a eu le calendrier du tournoi 2022 qui est sorti, on a tous dit, on va recevoir l'Angleterre, on rêve que d'un truc, c'est la victoire, la finale. Déjà pire, la finale, au moins la finale. On veut la finale. Et on aimerait jouer pour le Grand Chelem. On y est dans ce scénario, il est rêvé quoi. Mais je veux dire, il est rêvé. C'est pareil qu'en 2010, c'est recevoir les Anglais le samedi à 21h, le dernier match du tournoi. C'est France-Angleterre. C'est pas anodin si le France-Angleterre avait été mis le dernier match le samedi à 21h lors de la 5e journée. Par contre, ils sont pas bêtes, cette équipe et ces mecs-là à l'abri d'une forme de pression négative, tout ça. Ou de relâchement. Sincèrement. Ou de relâchement. Sincèrement, je crois que ça les atteint pas. Mais vraiment, je le disais en début d'émission. Nous, on se pose des questions qu'eux ne se posent pas. Justement, on sait que l'équipe de France appuie beaucoup sur l'équipe de Toulouse. Voilà, il y a beaucoup de Toulousains. Il y en avait 10 dans les 23 aujourd'hui. Comme site, ces joueurs, est-ce qu'ils ont loupé une finale dans leur vie quand ils ont été sur le terrain? C'est des tueurs, c'est des. Ils ont deux prénus, j'ai dit. Pour l'anecdote, pour parler de cette génération, tu parles de Toulouse. Vous le savez, vous tendez une perche, je vous dis Toulouse en face de Jérémy. Il est parti. Si vous voulez que je vous donne une petite anecdote croustillante. Non, c'était Johan Huger qui me racontait après la finale 2019. La victoire contre Clermont. Voilà, la victoire contre Clermont qui disait.
Et ben voilà, cette jeune génération là, les Ramos, Dupont, ouais, etc. Il dit, nous, ça faisait deux jours là avec Max Médard qu'on avait la boule au ventre, qu'on avait envie de vomir. Et eux, ils jouaient au badminton sur le parking de l'hôtel ce matin avant la finale. En allant au bus, ils avaient mis la musique, ils chantaient. En allant au stade, dans le bus. Oui. Quand je vous dis qu'il n'y a pas grand chose. Et par contre, ils ont une faculté, cette génération, à switcher, ce fameux anglicisme. Oui. Parce que le français, c'est basculer, mais switcher, c'est encore plus vrai. Ouais. Ils passent d'une disquette à une autre en une demi-seconde et c'est des compétiteurs. Ils enfilent le maillot, c'est des compétiteurs européens. Voilà. Voilà, on est rassurés. Là, si avec ça, vous n'êtes pas serein pour le match, la finale contre l'Angleterre samedi prochain, je ne sais pas ce qu'on peut faire de plus pour vous. Est-ce qu'il y a encore des questions, Max, dans le chat? Je vois qu'ils sont encore nombreux. Il y a plus de questions. Les gens parlent de cette déception ou cet échec. C'est vrai que c'est Clem BNT qui dit que ça fait 2 ans qu'on se contente de la deuxième place. C'est pas acceptable cette année. On peut pas l'accepter. C'est ce qu'on dit. Façon, pour progresser, hein. Progresser, c'est être premier. Ouais, là, je pense qu'on peut pas. Voilà, on va répéter ce qu'on a dit, mais aujourd'hui, on ne doit pas. Eux-mêmes le disent. Mais ils sont obligés. Non, et puis cette génération a besoin d'un titre avant d'arriver à la Coupe du Monde. Quand même, on peut pas se satisfaire d'une deuxième place. Non, c'est clair. Pour moi, c'est énorme échec s'ils gagnent pas le tournoi, et je pense qu'ils vont le gagner, très sincèrement. On a l'équipe derrière nous là, ils arrivent en force derrière les caméras aussi. Je pense qu'ils le pensent. Ils veulent la quatrième mi-temps là. Ouais, ils veulent la quatrième mi-temps là. Ils nous regardent. Non, mais messieurs, on va peut-être clôturer cette émission sur ça. Hein. Moi, je vous le dis, voilà, soyez sereins. Coupez ça si vous voulez, et vous saurez me l'envoyer et le mettre sur les réseaux. Nous, on va l'être. Hein. Ah bah oui, je sais que vous serez serein. Peut-être que samedi, je sais pas, quand ça se rapprochera, peut-être un peu moins, ouais, je sais pas. Je pense quand même, à un moment donné, on va. Voilà, regardez-les là, ils se vantent là, quand ils vont rentrer au Stade de France. En tout cas, on vous donne rendez-vous parce que du coup, vous viendrez nous voir en direct, je suppose. Bien sûr que oui. Donc j'espère qu'on aura le sourire. Il y aura l'analyse de la compo jeudi, du coup, cette fois-ci. Ouais. Jeudi, puisque l'annonce de la compo sera jeudi. On espère avec à la bonne heure, à midi, 104 Covid, 5 joueurs qui ne peuvent pas jouer cette finale. Parce que les Français, bon, pour ceux qui savent, Damien Penaud et Romain Tofinois étaient positifs au Covid. Du coup, ils n'étaient pas de ce déplacement à Cardiff. Du coup, analyse de la compo jeudi, bien sûr, troisième mi-temps, qui sera exceptionnelle, aussi exceptionnelle que celle-là, parce que j'ai cru comprendre qu'il y avait beaucoup de monde sur le chat. Ouais, non, vraiment. Mais est-ce qu'on avait battu, on avait explosé le record de ce tournoi, et c'est normal, le créneau veut ça aussi, mais voilà, l'équipe de France. Ça, c'est l'effet tracteur tondeuse du Millennium. Donc, on essayera au Stade de France avec Max de vous avoir le tracteur tondeuse en direct le week-end prochain. Donc voilà, analyse de la compo, troisième mi-temps bien évidemment. Merci messieurs Jérémy et Max d'avoir été sur le plateau. Merci à Alexis Palisson, merci à Vincent Bissonnet d'avoir fait le boulot au Principality Stadium. Peut-être que Vincent, merci à toi Vincent. Ouais, bien sûr. Merci à lui. Là, mais voilà, c'était un plaisir. Merci à tous ceux qui sont derrière la caméra, Baptiste, Aurélien, Tristan, Julien et Yanis aussi qui ont fait du gros boulot sur le web. On va remercier tout le monde parce qu'ils participent aussi à l'émission, bien évidemment. Il y a de quoi lire là sur Rugby Rama. Ah, bien sûr qu'il y a de quoi lire sur Rugby Rama. MidiOlympique.fr déjà dès demain et bien sûr dans le journal Midi Olympique lundi dans vos marchands de journaux avec de nombreuses pages forcément sur cette quatrième victoire des Bleus 13-9 à Cardiff. Comme d'habitude, je suis un peu long pour fermer les émissions, mais c'est pas grave. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve là sur Rugby Rama Midi Olympique. Bonne soirée à tous, bon week-end du coup, vu que c'est vendredi soir, bon week-end, profitez bien. Ciao, ciao, merci à tous. Ciao, au revoir.